il a la portion qui satisfait pleinement. Ndio Brian anasema mtu kama yuko na sehemu ya Roho Mtakatifu iko na ile sehemu inastahili. Nous devons d'abord chercher ça. Tunapasha mbele kuitafuta. Abraham a dit encore. Abraham anasema tena. Quand Dieu donne à son fils le Saint-Esprit, Mungu akampatia mtoto wake Roho Mtakatifu, il lui donne aussi un cahier de chèques. Anampatia pia cheki. Donc il va remplir tout ce dont il a besoin. Vous allez voir qu'avec le baptême du Saint-Esprit, c'est une portion qui satisfait pleinement. Pourquoi Jésus a besoin de dire cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné après. Il y a d'autres complications que nous constatons sur nos corps. Des complications que nous constatons sur nos projets. Sur tout ce que nous sommes en train de faire. Peut-être nos âmes ont une chose. Nos âmes ne sont pas encore en communion avec Dieu. Quand l'état de ton âme n'est pas en communion avec Dieu, ton âme a des problèmes. Ton âme a des taches noires. Ton âme a l'incrédulité. Ton âme ne croit pas toute la parole de Dieu. Ton âme cherche encore à entrer en communion avec le monde. Ton corps ne prospérera jamais. Et tu peux dire que frère, non, pas chose, manduku, moi mes frères de notre côté là, il dit, moi je ne connais même pas Dieu, ni Mungu mwensi mujue, je ne donne même pas la dîme, misile take, je ne pars pas à l'église, kanisa siendake, mais je suis béni, misi nabarikiwa, j'ai des véhicules, niko na magari, j'ai des maisons, manyumba niko nayo, je voyage, na safiri, j'ai des comptes bancaires, niko na makonti mubanki, j'ai ceci et cela, niko na hivi na vile. Mais vous qui priez, vous n'avez rien, kitu amuna nayo, vous êtes des malheureux, muko baole, vous êtes ceci et cela, muko vile na vile. Alors j'avais regardé ce frère, il est ignorant. Parce que le prophète Branham me dit, ouais, les biens matériels ne signifient toujours pas que vous êtes béni de Dieu. Est-ce que bien que la bénédiction matérielle est notre promesse, mais il y a d'autres bénédictions matérielles qui ne viennent pas de Dieu. Quelqu'un peut être béni matériellement, financièrement, beaucoup de choses, mais Dieu ne les connaît pas. Ça, ce n'est pas la prospérité de Dieu. Mais quand quelqu'un est béni de Dieu, selon la Bible ici, il doit d'abord entrer à commun, son âme doit d'abord entrer à communion avec Dieu. Mes frères, au temps de frères Branham, il y avait trois ou quatre, un groupe de frères comme ça. Wakati ndugu Branham kulikuwa kundi ya banduku moja hivi. Quand Branham a raconté l'histoire des puits de pétrole qu'il a vu quelque part. Wakati Branham alikuwa anafasiria historia ya mashimo ya pétrole alipata fasi fulani. Il m'a montré le puits de pétrole. Anasema Mungu alionyesha mashimo ya pétrole. Alors il me fallait aller exploiter ça. Sasa nililomba niende nikaitumikishe. Branham alipo, quand je vais aller exploiter ça. Anasema kama napenda nikaitumikishe. Pendant que je suis prédicateur. Hivi niko mhubiri. J'ai la responsabilité des âmes à tremmer. Daraka manafsi mikononi yangu. Qui serais-je? Nitakuwa nani? Je serai le directeur de général de cette société. Nitakuwa directeur mkuu wa ile kampuni. Je serai qui? Nitakuwa nani? Et les amis ici. Na manafsi. Qui va prendre soin d'eux? Mwenye atabauzulia ni nani? Branham a dit. Branham akasema. Bien que Dieu m'a montré. Acha hivi Mungu alinionyesha. Je ne dois pas aller exploiter. Sitaenda kuitumikisha. Je vais rester ici. Tabakia hapa. Pour prêcher la parole. Tu vas kuhubiri neno. Et quand il disait ça Dieu de la chair. Acha kwanza maka juu ya mimbari ile mambo. Les frères de son église. Banduku bakani sont allés les voir. Barenda kumuona. Donc, pasteur. Asa mchungaji. S'il vous plaît. Tunakusi. Nous sommes dans le chômage. Si aba tuna na kazi. Nous sommes ceci. Tuko hivi. Nous sommes cela. Tuko vile. Regarde seulement. One way peke. Il y a pas moyen de servir Dieu bien. Parce que nous manquons de l'argent. Tunakosa pesa. Nous manquons ceci, nous manquons cela. Tunakosa vile, tunakosa hivi. Montre-nous cette puits-là. Utuoneshe ile shimo. Comme ça nous allons exploiter cela. Kitone tukaitumikishe. Branham akile regarde. Branham anabangalia. Il dit je vais vous montrer. Anasema mionyesha. Mais pas la puits. Lakini hapana shimo. Je vais vous montrer. Tamionyesha. Un petit puits. Tamashimo kilo kilo. Que vous allez exploiter. Mimi mtenda kuitumikisha. Mais avant d'y aller là-bas. Mbele mwe kwenda. Vous allez signer le cahier de charges ici. Utasaini hapa cahier de charges. Quand Dieu vous bénira. Wakati Mungu atamibariki. Vous servirez Dieu avec cet argent. Et na ile pesa mtatumikia Mungu. Vous continuerez à rester les frères. Et mtaendelea kubakia banduku. Vous continuerez à rester dans l'église. Et mtabakia kubakia mkanisa. Oh, nous le ferons. Oh, tutaifanya. Et ils ont pris le cahier. Banabeba ile buki. Ils ont
écrit tout ça, tout Banandika ça. Na ils ont signé des histoires. Saini, et quand ils sont allés, Branham a dit, allez à tel endroit. Ils sont allés découvrir les petits puits. Et il exploitait dans une heure. Moussa Moya. Millilitres. Banaza kutosha malita elfu. Dans une heure, millilitres. Moussa Moya matosha elfu moya malita. Et les millilitres des une heure là. Na ile malita elfu ya samoya. Les frères ont tourné les dos à l'église. Banduku banatupia kanisa mkongo. Les frères ont oublié les sacières. Banasabu kiamana. Les frères ont oublié le pasteur Branham. Bakasabu mchungaji Branham bale banduku. Les frères ont oublié Branham tabernacle. Bale banduku banasabu Branham maskani. Ils sont partis. Banaenda. Pourquoi? Jua nini? Parce que leur âme n'était pas en communion avec Dieu. Nafsi yabo ilikuwa ya shirikiana comme je disais toujours. Hivi nasema niko nasema kapaka. Aujourd'hui. Na naisema tena leo. Si toi là. Kama wewe. Tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Pokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Il y a d'autres personnes ici qui ne supporteront pas un montant de 10 000 dollars sans le baptême du Saint-Esprit. Buko je dis bien 10 000. Abata vumilia kukua. Na elfu kumi ya dola. Il reçoit 10 000 dollars sans le Saint-Esprit. Pokea elfu kumi ya dola pasi poro mtakatifu. Il va nous quitter. Atatuacha. Il y a des personnes ici comme Kuko ça. Batu hapa bavile. 10 000 comme ça. Elfu kumi tuku mikono. Il part. Anakimbia. Jua nini? Son âme. Nafsi yake. Il part communion avec Dieu. Aishirikiane na Mungu. Est-ce que c'est que j'ai dit est vrai? Esi nasema ni kweli? Il y a des salaires même 3 000. Kuko bengine apata ma elfu tatu tu ya dola. 3 000 seulement. Elfu tatu ya dola. Il va commencer à faire des tapages ici. Ataanza kutitapata. Ona zana mbongo. Oni kona makuta. Oni ko hivi. Oni ko vile. Mais or les 3 000 là. Japo ile elfu tatu ya dola. Parfois il y a d'autres personnes. Sasa ngine ko batu bengine. Il dépasse ça na di matin au soir c'est fini. Tokea tu asubuhi na magharibi makuta yeye anapotesha kabla pita. Lakini abasemake. Ne parle même pas. Asisema. Mais lui comme il a toi là comme tu n'as pas dit, Mungu, les 3000 là, elfu tatu kale, tu commenceras à mettre la main. Unaweka mbona mabeka yulu. C'est pourquoi maana, il est bon de demander la richesse. Ni vema kulomba utajiri. Il est bon de demander l'argent. Ni vema kulomba il est bon de demander des maisons. Aina mubaya kulomba il est bon de demander des avions. Aina mubaya kulomba il est bon de demander beaucoup de choses. Aina mubaya kulomba mais bitumi. Selon la Bible, lakini kufuatana je Biblia, vous conseillerai de mishauria. Chercher premièrement kwa mbele, le royaume des cieux. Ufalme wa Mungu. De chercher premièrement. Le baptême du Saint-Esprit. De chercher premièrement. La vie de la parole. Ya de chercher premièrement. Entrer en communion avec Dieu. Et ce que Dieu va te donner. Le Saint-Esprit. Va maîtriser cet argent. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Donc il est bon. D'entrer d'abord à communion. Avec Dieu. Na Mungu. Ça sera une bonne chose pour toi. Vous allez voir. Mutaona ya kwamba la fois passée on a une citation mare na pita tulisomaka andiko Branham di kule Branham anasema quelqu'un coupe la communion avec Dieu wakati mtu anakata ushiriki na Mungu il devient errant anakuwa kuwayawaya il devient vagabond anakuwa kuwayawaya or Branham di chapo Branham anasema quelqu'un est en contact avec Dieu wakati mtu iko msiano na Mungu Dieu sera son aimable père Mungu atakuwa baba yake mwema qui le prendra en charge ule mwenye atamuzulia qui le nourrira atamulisha qui le vêtira atamuvalisha qui prendra soin de lui atamuzulia physiquement mukimwili spirituellement mukiro il sera tout pour lui atakuwa byote juu yake et tu peux pas amina quand tu coupes la communion avec Dieu ukakata ushiriki na Mungu qui sera un era utakuwa wakuwayawaya la vie de vagabondage aisha ya kuwayawaya est la preuve que celui-ci n'est pas en communion avec Dieu ndio hakikishwa kwamba huyu asina mushiriki na Mungu quand quelqu'un est en communion avec wakati mtu anashirikiana na Mungu il ne sera plus vagabond asitawayawaya tena il ne cherchera plus d'autre solution à part la parole asitafuta ma solution nyingine pasipo neno quand quelqu'un n'est pas encore entré en contact avec wakati mtu asiyakuwa mkupatana Mungu vous allez voir il peut aller contacter les féticheurs anapasha kwenda kuona bafumu il peut aller contacter les sectes anapasha kwenda machawi fulani tout en état une sœur à Christ. Wakati yako dada ndani ya Kristo. Tout en état un frère. Wakati ko kaka. Mais il coopère avec le monde de Dieu. Lakini batu ya mangiza anatumikaka nabo. Il coopère avec les gens de secte. Anatumikaka na batu ya maloge. Et avec les chefs coutumiers. Na ba chef coutumier. Et avec les histoires pareilles. Na bitu sabia vile. Tout en croyant yake. Lakini yako na amini la solution viendra là. Ya kwamba solution itatoka kule. Laisse-moi te dire ceci. Nukuacha koneshe. Il y a d'autres personnes ici. Ko batu bengine hapa. Aussi longtemps que tu viens dans les messages. Wakati ukingali kujumbe. Même
Donc tu peux dire que non, les païens aujourd'hui sont en train de progresser. Après, je sais, pagano, le, be, ils sont en train de prospérer. Bo, banasai. Moi aussi, je peux les suivre. Frère, Ndoku, laisse-moi te dire ceci. Achani koneche. Quand tu entres dans le message, wakati uningia mujumbe, tu es sous l'influence de la colonne de feu. Chini ya mvutu ya nguzo ya moto. Ezana banganga mususu bakolinga yote. Kuko bafumu bengine unaenda kubaona banakatala. Ezana banako mususu wanganga okoti barata. Kuko manyumba ingine bafumu unaingia banakufukuza. Ezana banako mususu wanganga okoti kisekosi mate. Kuko manyumba ingine bafumu nalomba dawa ibambe. Alimenga nyoso ekotini na ekotenese. Abibambe. Paske ni konzina maso ya tumbio. Nguzo ya moto esha kukuchoma. Mesaje si ekoti katina yo. Ujumbe esha kuingia ndani yako. Même si vous n'êtes pas encore arrivé à la perfection. Hata kama uyafika mukamilifu. Osilo kta ke ti arrive ici. Hivi unafika hapa. La parole a l'influence sur toi. Neno kona mvuto juu yako. Eti mtapose mamina. Kipe eseye neporte kwa. Kuna pasho fanya izuru nini. Abita bamba. Kwani ndani yako. Ya deja inotre fi. Kuko maisha ingine. La vie de Dieu. Maisha ya Mungu. La vie de la parole. Maisha ya neno. Qui ne sera jamais à communion avec la vie extérieure. Na maisha ya ije. Si tu y es prédestiné, kama ulitayarishwa, devant un féticheur, mbele ya mchawi hivi, il va te chasser. Atakufukuza. Il va te chasser. Atakufukuza. Il va dire papa. Atasababa. Kisi nangaye kusimba yote. Dawa yangu haita kubamba. Bima. Toka. Ça c'est un témoignage vif. Ni mushuda ya kweli hii. Dans mon église. Mukanisa yangu mimi. Un frère qui était dans mon église. Dukumwe kwa mkanisa yangu. Alembi na yeye parole. Anachoka lwake neno. Un rétrograde. Mwenye kupungukia muimani. Il rentre dans le monde. Anaingia mudunia. Ils étaient en trois. Balikuwa tatu. Hein? Wa kwanza calotin, alikuwa mkatoliki. L'autre c'était un néo apostolique. Mwingine alikuwa muneo. Lui c'était un messager. Yeye alikuwa wa mujumbe. Les frères de mon église que moi-même j'ai les baptisés. Wa kanisa yangu mimi pewe kenyo ni mbatiza. Sont allés à la commune Kisangani. Banaenda mu commune Kisangani. Pour consulter les défunts. Bende bakaone bafumu ya kule. Pour qu'il donne la donc le fétiche pour aller chercher le diamant. Bapate ko madawa ya kupata no alimasi. La première personne à kakaloter est entrée. Mutsu wa kwanza kikatoliki yule anaingia. Ils ont bien parlé avec les frères. Ye na ule mufumu banaongea mzuri. Et c'était bien passé. Na bikapitikana mzuri. Ndio donné son petit akampatia kadawa kake kale kwa ile yote banafanyaka mambo yakupitika mtu. Et la deuxième personne, wa pili anaingia, le croyant de Neo, ule nduku wa Neo anaingia. Ils ont très bien parlé. Banaongea. Ils ont bien fini la prêche. Banafanya mambo yabo mzuri. Quand le frère est entré, ndugu tu wakati anaingia, le féticheur qui lui dit, ule mfumo anamuonesha, toi sors, we toka. Comment je vais sortir? Toka je. Sors. Asa toka. Je ne vais pas te voir ici. Sipende kukuona hapa. Sors. Toka. Moi je vais sortir. Asa toka je. Toka. Et il demande à notre frère brebis de mon église. Anauliza nduku wetu kondoa kanisa yangu. Yo sambira kawa. Unaombaka wapi? Le frère l'a trompé. Ule nduku anamdanganya. Il dit na sambira kana catholique. Ansa ndiko mukatoliki. Abilo kuta. Ansa na lo confia. Sambira kana catholique. Aombake mukatoliki. Bima na ndako. Toka mwe nyumba. Udhuru kama problem. Bima. Mambo nakio nitafutia toka. Usambira kana catholique. Aulo auna mukatolo wewe. Ndomba église usambira. Sema kanisa unaombaka. Le frère dit na sambira kana catholique. Mimi mukatolo. Mes frères bien-aimés. Banduku bapendwa. Le féticheur. Ule mchawi. A fait sortir la photo de Branham. Anatosha picha ya Branham. Il fait sortir la photo. Anatosha picha ya Branham. Il lui montre. Anamuonesha. Il dit nani huyo? Anasahau ni nani? Alobi c'est le prophète Branham. Anasema ni nabii Branham. Alobi na eglise ya mtu huyo. Kanisa ya huyu mtu ndio usambia. Ndio naombaka. Est-ce que nakosi? Eti nalongofia. Yote alobi vile. Au unasema kweli? Alo kuna usambia. Sasa hivi naombaka huku. Bakisi na ngaa. Madawa yangu. Eko simba yote kubamba. Bima toka. Ele frère est sorti. Na ndugu anatoka. Ile beni temwani. Anakia kushuhudia. Ele retrograde. Mwenye kupungukia muimani. Retrograde. Mwenye kupungukia muimani. Frère, si vous êtes retrograde. Ndugu atao napungukia muimani. Puissance de la parole. Uwezo ya neno. Sera toujours sur toi. Itakuwa paka juu yako. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu mpose mamina. Pourquoi quelque part? Joko maana fasi moya. Branham dit. Branham anasema. Retrograde n'est pas perdu. Mwenye kupungukiwa kuimani asipotee. Mais il a perdu plutôt la joie du salut. Anapoteza njo furaha ya wokovu. Je vais t'entrer amen. Napenda sikia amina. Quand vous entrez en contact avec Dieu. Ukaingia mapatano na Mungu. Le monde va te rejeter. Dunia itakukatala. Okay? Amina. Si vous êtes un frère. Kama uko nduku. Oui, ni sœur. Wala dada. Demeure dans la parole. Bakia daima muneno. Le haut. Bipande. Et le bas. Bishuke. Demeure dans la parole. Bikukute paka muneno. Maladie. Magonjwa. Bonne santé. Ukwe na afya njema. Demeure dans la parole. Bakia muneno. Pauvreté. Umaskini. Richesse. Utajiri. Demeure dans la parole. Bakia muneno. Noir. Mweusi. Blanc. Mweupe. Demeure dans la parole. Bakia muneno. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux mamina. Nous sommes dans un chemin. Tuko munjia moya. Rokaye. Ya mabwe. Mais nous avons l'assurance. Lakini tuko na hakikisho. Que nous y arriverons. Ya kwamba tutafika. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux mamina.
problème. Jomambo. N'abandonnez pas la parole. Usiache neno. Car en dehors la parole. Kwani kama kuna neno, il n'y a pas une bonne vie. Hakuna maisha nzuri. Il n'y a pas la prospérité. Hakuna kusai. Il n'y a aucune bonne chose. Hakuna tsa kitu kizuri kimoya. En dehors de la parole. Pasipo neno. Je vais attendre un amen. Pendoski amina. Alors, quand quelqu'un wakati mtu coupe la communion avec Dieu, anakata ushiriki na Mungu, il devient vagabond, anakuwa wakuwa ya waya. Comme le prophète dit, kama hivi nasema nabi, Adam et Eve, Adam na Ewa, leur papa aimable c'était baba yabo mupendwa ilikuwa kama Mungu. Il descendait chaque jour le soir en Eden pour leur prêcher la parole de Dieu. Kila jioni alikuwa anashuka kama Edeni jua kuhubiri neno ya Mungu. Et ils étaient en harmonie avec Dieu. Na baba alikuwa mapatano na Mungu. Les choses marchaient encore très bien. Vitu bikuwa natembea mzuri. Mais ici, da Christ est révélé, Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri ya Mungu inafunuliwa. Qui a prêché le 28 juillet 1963. Inaubiriwa tarehe ya 28 mwezi wa 7 mwaka 63. Paragraphe 513. Kifungo yake ya 105. Le prophète dit ceci. 513 nabii anasema hivi. La parole produit sa propre vie. Neno inatunga kama maisha yake binafsi. Qui peut dire amen à ça? Naposema amina. La propre donc la parole pardon neno, produit sa propre vie. Nazaka maisha yake binafsi. Qu'Ève avait tronqué contre la connaissance personnelle. I Ewa ali kabulaka na ujuzi ya bumutu. Ève avait la parole. Ewa alikuwa kana neno. Ève avait la vie de la parole. Ewa alikuwa na maisha ya neno. Mais quand le diable est venu le tromper dans les serpents. Wakati shetani anakia kumdanganya kupitia nyoka. Il a troqué la bonne vie avec la connaissance du serpent. Akabadilisha maisha nzuri na ujuzi ya ule nyoka. Elle a fait troc. Akafanya mabadirisho. Elle a pris la parole. Akabeba neno. Elle a vendu ça devant la connaissance de discernement. Anaiuzisha juu apate ujuzi ya ile nyoka. Voyez-vous? Unaona? Comment aujourd'hui? Namuna gani leo? L'église l'a fait. Kanisa pia inaifanya. Par une certaine compréhension humaine. Kupitia ujuzi moya ya bumutu. C'est-à-dire l'église aujourd'hui. Kusema kanisa leo. Au lieu de garder la parole. Mali ya kuchunga neno. Au lieu d'être en communion avec Dieu. Mali ya kuwa mushiriki na Mungu. Ils veulent échanger la parole de Dieu avec la connaissance. Anapenda kukabula neno ya Mungu na ujuzi ya bumutu. C'est-à-dire, ni kusema, il ne croit pas toute la parole si ce n'est pas conforme à la science. Aba amini neno yote kwa jumla kama yambatane na siyansa. Or, quelque part, Frère Branham a dit, japo fasi mwana Bibi Branham anasema, la civilisation kusilimuka contraire à la parole c'est l'ennemi de Dieu. Ile inapinga neno ni adui ya Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mutampose mamina. Je ne refuse pas que nous puissions étudier. Misi katale tusome. Parce que Branham, wani Branham avait dit alisemaka à son épouse kwa bibi yake, comme je monte sur la montagne mulima, si je ne reviens pas kama sirudie, conduis mes enfants yangu, à l'église kanisa, et conduis mes enfants yangu pia, à l'école kushule, c'est-à-dire étudier kufunda, n'est pas mauvais mubaya, mais quand vous prenez la connaissance ujuzi, du monde ya dunia, et cherchez à les remplacer par la parole kuneno, là ça devient déjà mauvais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que ici, waniapa, Eve, Ewa, a troqué la parole ye alikabula avec neno, la connaissance humaine. Alibadirisha neno. Et c'est ça que l'église fait aujourd'hui. Njoo ile kanisa kuna comme j'avais dit le mercredi, imi nisema kazi tatu, que aujourd'hui là, kwamba leo, l'église charnelle, kanisa kimwili, l'église qui n'a pas Dieu, kanisa ile na Mungu, sont en train de disqualifier les bonnes soeurs. Bo banduku nzuri bana baweka ka pembeni. Ou les bons frères. Wala banduku wala na badala. Wala baubiri bazuri. Parce qu'ils n'ont pas étudié. Jua bakufunda. Or, japo, on ne mesure pas la spiritualité par le niveau d'étude. Kiro abaki pimake kupitia masomo. Je vais attendre un amen. Napendo sikia amina. On mesure la spiritualité. Kiro bana kipimaka. Par le surnaturel. Kupitia wa kimbingu. Qui peut dire amen? Non, pas amina. C'est là où Branham dit. Je parle Branham na sema. Dans une église où tout le monde est baptisé du Saint-Esprit. Ukanisa ile batu bote bana baptizwa na Roho Mtakatifu. Une sœur qui a porté une robe à soi. Dada ule anavala kanju ya soi. Robe à soi, voilà. Kanju ya soi. Une robe chère. Kanju ya bei sana. Qui peut coûter même 1000 dollars. Na pas kwa sasa ngine na bei yao ni 1000 moja dola. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Iko na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Elle sera capable d'embrasser une sœur qui a porté. Atakuwa na uwezo wa kukumbatia dada ule anavala robe ya 7000. Elle appelle
Nana muita dada mpendwa. Il ne peut jamais se séparer. Yawezi kugawanya. Il ne fera jamais la ségrégation. Yawezi kujikabula na mengine. Il ne cherchera jamais les sœurs de son niveau. Asiwezi kutafuta badada ba kipimo yake. Non non non, mon niveau. Aba ni ba kipimo yetu. Moi dans l'église est là. Mimi le kanisa ile. Il y a quelqu'un que je peux au moins. Kama kuko mtu ule na pasha yako. Kupima kuongea yako naye. Sœur tel au moins. Dada fulani ata. Frère tel au moins. Kaka fulani njo. Là bon. Parce que j'ai un niveau un peu. Là, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est là où notre soeur. Marque même le mariage. Elle peut regarder l'église. Comme elle est orgueilleuse. Parce qu'elle a fait la médecine. Elle a fait la médecine. Elle a fait si c'est qu'elle croit à l'univou. Alors, elle regarde l'église. Dans toute l'église, elle est là. Je ne vois même pas un frère qui peut me prendre le mariage. Je ne pas qui est mon niveau là-bas? Mwenye yuko mwatu wangu mule ina. Vous allez voir. Utaona ya kwamba. Olie de regarder ce que Branham dit. Mahali kuangalia kile Branham anasema. On se marie avec un frère qui est baptisé de Saint-Esprit. Bana wanaka na nduka na baptizo wa Roho Mtakatifu. Elle a dit que non. Bana yeye anaangalia sema juu yake. Elle doit se marier avec un ingénieur. Anapasha kuoana na engineer. Njoo huko naona baingine biko afa ba karata. C'est pourquoi tu vois certaines sœurs qui traînent 40 ans. Or, Japo, la beauté de la sœur. Urembo ya mwanamke. La beauté d'une femme. Urembo ya mwanamke. Inaenda kwa vitesse. Yo rapidement elle fan. Mais frère ici peut faire 50 ans. Anapashwa kwa miaka 50. Elle peut avoir la chance de se marier avec une fille de 21 années. Anapashwa na bahati anaoataka binti ka 21 ya miaka. Mais une sœur de caractère. Sasa dale ushakuwa na miaka 40. Qui va te marier? Wako kuoa ni nani? Quel genre d'un homme qui viendra? Wewe waza mbele ni bwana wa jeule atakuwa. C'est-à-dire ça sera un papa de Ronatalo. Nous sommes étant ni babo à miaka 90 ka kwa zamani. Laissez cet orgueil. Kiburi. Laissez cet orgueil. Itakufikisha kumwisho. Cet orgueil là va t'amener. Kwani hapa choisis la parole. Tunatembea kufuatana neno. Branham nous dit. Branham anatuonesha. On se marie. Tunaoanaka. A enoa. Bana wanaka na wanaume wala mwanamke wakati peko batizo wa Roho Mtakatifu eti mtapasema amina. Lakini leo batu wanapenda kubadilisha ile intellectualisme na kufunda frère baptisé Saint-Esprit ndugu mwenye batizo wa Roho Mtakatifu parce qu'il est décis juu yeye ni diplômé. Alors la sœur est licenciée. Dada yeye ni licencié. Alors quand le frère vient ndugu akakuya bien aimé. Dada mupendwa. Yo vraiment. Wewe unaona. Mutema nangai. Roho yangu inapika. Juu ya kusikia sa dada. Uzana niveau nini ya class? Wewe masomo yako ulifundaka masomo. Una diplome. Uko na diplome kan. Another thesis. Mimi niko diplome de. Dada anasema. Bona kana no kuprier. Mimi nikaombe. Or c'est terrifié poli. Japo ni kukatala tu ya na heshima. Fanda wana okotonga mobali yo ya guna yoyo. Wewe kala pale utatunga bwana ule mweko na kufurahisha wewe peke. Ukosala ingénieur ya yo. Wewe utakuwa ingénieur mwenye kwa natunga bwana. Unamshusha hivi pe habari yo. Kisha yeye akiakuoe. Tangu sasa rafiere wana. Wakati unajifieri vile. Talaka kitalatala chaque jour. Nikalazi ujiangalie yake mzuri. Utali kitalatala na 2022. Nikalazi ya 2022 unajiangalia. 2023. 2023. 2024. 2024 homo. Utalaka kitalatala na 2025. Wewe angalia sasa 2025 vile utakuwa. Tango misu ya batu yako yako sote yo. Wakati mechi ya batu itakutambuka. Wana ndoko kembi sa priere. Njo pale sa maombi utaikankamisha. Bajuro priere na uzano. Ima siku maombi yako ni ya yululu. Juu nye na disikio kingali. Utali ulobi frema. Unangalia foto yako nasema. Eh niko murembo. Me. Lakini. 2025. Ma 2027 ikuna. Ma 2027 ikakuya. Awa deja. Utafifia. Wana ndeba pri. Awa. Apa. Magoti itakauka apa. Awa. Na ma. Ma. Oh Simai kuzwa mangume. Simai itatoboka na magoti yako. Seigneur, aunione. Bwana, Dieu tu ne me vois pas. Seigneur, pardon. Bwana msama. Or total déjà passé. Wakati yako shaka pita zamani. Ton mari est déjà passé. Bwana yako shaka kuoa kwa wengine. Soyez spirituel. Ukoe ba kiroho. Je vais attendre la main de ce côté. Amina. Eh amen. Amina ingambo. Voilà, soyez spirituel. Ukoe ba kiroho. Nous n'avons pas besoin des orgueilleux dans l'église. Atikati batu ya kiburi mukanisa. Des orgueilleuses. Wala badada ba kiburi. Soyez humble. Tukoe wanyenyekevu. Quand quelqu'un rencontre Dieu. Wakati mtu anakutana na Mungu. Il se souple dans la révélation. Ataingia kwa raka mfunuo. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Il saura que celui-ci. Atajua kwamba huyu. C'est le frère que Dieu m'a envoyé. Dieu Mungu ananitumia. Et il va accepter. Na atakubali. Directement. Paka pale. Et les choses vont bien marcher. Na bitu bitenda mzuri. Toi tu penses que le français, on mange le français. Kumbi wewe unawaza sema ni français ndio banakulaka mundoa. Il y a beaucoup de francophones ici qui n'ont rien. Kuko baye wanasema ki France hapa mposhi ya kutoboka. Parle beaucoup de français mais. Anasema ma français mingi. Il n'a même pas 1000 francs dans sa poche. Mumufuko musha kutoboka. Mais tu peux voir un frère
des prières ici. Utaona tu ndugu mwana ditafutisha hapa. Un mécanicien. Yeni mécanicien. Mais il a de l'argent. Mufuko shakuyala. Il va te nourrir bien. Attends, kulisha mzuri. Mais les Français ici. Asele ma France on atafuta hapa. Comment ça va? Regarde comme ça, il passe. Moi je ne vais pas comme ça. On ne mangera pas les Français. Français ba ipikage mukyungu. On va manger la nourriture. Ibi akula njo bana pikaka. On va manger l'argent. Utakula pesa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tu m'en penses mamina? Il y a deux questions. Maswali ni mbili. Que Branham me posait à des frères qui cherchaient à se marier. Oui, le Branham quand ils aka bakaka ba kwamba ndako. Tu vas pour chercher une fille d'autrui. Wewe unaenda kutafuta mtoto wa batu. La première question que Swali ya kwanza, ile Branham alikuwa anaulizaka. Comme tu veux te marier? Ivi unapenda kuoa? Est-ce que eti tu as un travail où tu peux trouver même 5 dollars par jour pour nourrir cette femme? Et la deuxième question, est-ce que tu as un endroit où tu vas amener cette fille-là? C'est tout. Jo mwisho. Ezate utanga kiwapi? Ene ulisomaka wapi? Uvoyaja kiwapi? Etu sha kusafiri yako wapi? Hapana. Ce sont des démons de l'extérieur. Ni mademona ya nje. Ils sont entrés dans la parole. Je n'ingia muneno. Mademona ya kizehebu. Toi qui es entré de mutuazo tia mobeko, je ne serai jamais marié au Congo. Mie mu Congo abata ni owaka ta. Je serai marié au Canada. Mi paka Canada inyone. C'est pourquoi ils s'occupent beaucoup de Facebook plus que son église. Joko mana mama na pitikana Canada mu Facebook njo anaifata. Ils cherchent des photos de Facebook plus que les frères ici. Anatafutaka ma picha ya banduko yoko mu Canada ya mama, Facebook pita banduko abata. La vie de Facebook eh? Maisha ya Facebook n'est pas tout n'est pas ne, toutes les photos que vous voyez là-bas. Aïna bile bononaka njo bia kweri. Ne soit pas la réalité. Aïna kweri bile bete mononaka. Je vous dis la vérité. Mais maintenant chakweri. Utaona mtu murembo ku Facebook. Tu vas voir quelqu'un très beau sur Facebook. Si tu le rencontres comme ça, on a regretté. Tu regrettes, tu dis ah très moche comme ça. Ah ce n'est pas possible. Adiwezekane. Andio ile. Mzuri. Hata ikala kimya. Même si tu restes calme, mais je sais que ma recherche est yako. Tes recherches Facebook. Fini sur Facebook. Ukaona sur Ivy, si tu invitation. Vois une belle figure, tu l'invites. Invitation. Tu commentes. Invitation. Tu invites. Le diable va confirmer ton invitation. Satan, il est mwaliko qu'on a fanya, il est atayakikisha. Satan dans la chair. Satan mumwili. Il confirme ton invitation. Anakikisha mwaliko yako. Il arrive ici à Lubumbashi. Il te fait des zigzags et il fuit. Anafanya ma zigzag na nakimbia. Banduku biko hapa. Il y a des frères ici. Rempli de l'esprit de Dieu. Bana jazo na roho ya Mungu. Le courageux aussi. Benye pia biko na bidii. Qui peut te prendre en charge. Bampasha kuzulia. Si vous avez l'esprit de Dieu. Kama uko na roho ya Mungu. Comprends bien ce que j'ai dit. Eleo ebi mini kona sema. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tu as pensé mamina. Nous ici. Si hapa. Nous ne copierons jamais les dénominations. Atutaiga bakizehebu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu as pensé mamina. Nous ne copierons jamais la vie. Atutaiga maisha ya nje. Parce que la parole a sa propre vie. Neno iko na maisha yake binafsi. Le message a ses principes. Ujumbe iko na makanuni yake. Le message de Branham nous a tout. Ujumbe Branham ilitonesha biote. Il n'y aura pas à condamner le message. Hakuna kuhukumu ujumbe. Le message a tout dit. Ujumbe lisema biote. Comment se marier les messages à Dieu? Comment se comporter les messages à Dieu? Comment chercher tout? Namuna kutafuta ujumbe lisema. Branham alisema biote. Ne remplaçons pas les messages. Ujumbe avec autre chose. Na bitu byengine. Ne troquons pas les messages. Si tu sikapule ujumbe. Avec troquer les messages. Ewa avec la connaissance humaine. Alibadilisha neno na ujuzi ya mutu. Ilimwishia mubaya sana. Et sa fin était très atroce. Oui, oui. Dio. Eve a traîné le monde dans des difficultés terribles. Ewa ingiza dunia matatizo kubwa sana. Si elle tombe aujourd'hui. Kama kuko makaburi leo. C'est à cause d'Eve. Ni juu yake. Qui peut dire amen? Na pase mamina. Si elle a des maladies aujourd'hui. Kama magonjwa iko leo. C'est Eve l'auteur. Ewa njo mwenye alianza. Si nous avons des problèmes aujourd'hui. Kama tuko na mambo leo. C'est Eve qui a l'auteur de ça. Pourquoi? Ewa njo mwenyewe. Parce qu'il a troqué la parole. Kwani yeye alikabula neno. Avec la connaissance humaine. Alibadilisha neno na ujuzi ya mtu. Continue dit ceci. Anaendelea anasema hivi. Moïse Musa avait une grande connaissance sur Dieu. Alikuwa na ujuzi mingi kuhusu Mungu. Jusqu'à ce qu'il a rencontré le buisson ardent. Paka pale akutana kijiji kia moto. C'est alors. Jo pale. Il a vu. Akaona. Son insuffisance. Kukosa kujua kwake kwote. Le buisson ardent. Kijiji kia moto. Possédait. Ilikuwa na. Ce que Moïse manquait. Ile Musa alikuwa na pusha. Je vais attendre un amen. Eske amina. Et Branham dit, la parole neno possède iko ce
que la dénomination. Il faut attendre un amen. Lui, la tête, kichwa, il est le prémisse de la résurrection. Ya ufufuko. Frère, Nduku, peu importe la connaissance de Moïse, aizuru juzi ya Musa, mais le jour où il a raconté la colonne de feu, ya moto, il servit zéro. Akajiona sa ni wabure. Soki mutu, kama mutu, ozo mimona, uko na jiona, uko mi nibosu anza mirano te, ni kusema au ya kwambe, au ya fika mbele ya Mungu. Lokola Ezai, kama Isai, Ezai ete specialiste na bajene, Isai lukua fundi mkufunga biyakula, na mapriere, na maombi, amimona kite vrema yende vrema, aliona sa yenjo, alisha ku, anapita Meta batu bote chua hii, wakati aliombele siku, akoti na molimu, aningia mukiro, amoni likolo efunguami, anona yuli inafunguka, amoni zambe faina trone na hii, anona Mungu anaketi muenzi yake, Ezai ya konfese, Isai akatubu, il a demandé pardon, akalomba msama, idi Seigneur, akasema Bwana, je pense que je suis saint, niko anazo sa niko mipeke, or je ne suis pas moi-même d'abord je suis pécheur et je suis parmi les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé devant la face de l'Éternel. Quand quelqu'un se voit qu'il est saint, oh il est ceci, il n'a pas encore rencontré Dieu. Quand quelqu'un rencontre Dieu, il va se voir toujours pécheur et il va demander pardon à Dieu et il sera humble. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Parce qu'en réalité, si vous avez une petite vie de la parole, ce n'est pas par tes efforts. Qui peut dire amen? Si tu vis la parole, c'est Dieu qui vous aide. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parfois tu peux dire, il y a une citation ici où Branham parle de quelqu'un qui disait, moi, dans cette église là, vous ne m'avez jamais attendu faire ceci ou faire cela, je suis distingué, je suis comme cela. Niko hivi. Il se tapait la poitrine. Alikuwa anajitapa. Mais Branham dit, Branham anasema, dehors, inje, il y a les gens qui le savent, ko batu banamujuaka, comme un véritable critiqué. Ya kwamba wakabwabwa mkubwa, baba. Sa zingine akunyake malofu. Peut-être toi tu ne t'enivres pas. Ou utembeake na babaka. Ou tu ne te prostitues pas. Mais kinyo yako hii. Mais ta bouche là. Uko grand péché. Tu verbigères à jamais. Uko véritable escroc de vatu. Uko mukorofu mukumbele ya Mungu. Si Dieu t'aide, kama Mungu anakusaidia, à vivre la parole, uishi neno, ce n'est pas par tes efforts. C'est le Saint-Esprit qui vit la parole à nous. Et quand c'est le Saint-Esprit qui vit la parole à toi, tu seras humble. Tu seras humble. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu, il sera toujours humble. Je vais attendre un amen. Moïse est ici. Peu importe ses diplômes. Peu importe beaucoup d'années à l'université. Peu importe tout ce qu'il a fait. 5 minutes dakika 5 tu devant la colonne de feu, mbele ya nguzo ya moto, alisema bisemi sem, il a dit n'importe quoi, il a commencé d'abord à dire on a corité, oh si a comme mutu ya 80 ans anarudia corité, mutu wa miaka 30 anasema si akomea 80 ans asa jeune, anasema je suis encore jeune, on ingali kiana Moïse jamais anarudia mo, Mungu anasema njoo vile natali angote sione ile ona eba kakorobate, oh si jue kusema yo kaka we paka we devant Dieu frère, mbele ya Mungu tu vas diminuer. Wo utajinyenyekeza. Qui peut dire amen? Non, pas c'est mamina. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Si Dieu veut t'utiliser. Kama anapenda kutumikisha. Il va te diminuer. Atakushusha. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amina. Est-ce que vous connaissez Saul? Eti mnamjua Saulo. Saulo certain érudit. Saulo alikuwa mjuzi. Mjuzi mkuu. Il a tué même les disciples. Aliua hata wafasi. Mais les jours. Lakini siku. Il a rencontré Dieu. Alikutana na Mungu. Il a rencontré la colonne de feu. Alikutana na nguzo ya moto. Sur le chemin de Damas. Njia ya Damaseki. Au même moment. Paka pale. Saulo était Saulo akabadilika. Son nom était changé. Jina yake kabadilika. Et sa nature était changée. Asili yake kabadilika. Pourquoi? Parce que il était entré à communion. Akaingia mushiriki. Avec la colonne na nguzo ya moto. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tu utaposema amina. Moïse se voyait petit. Musa kajiona muloko sana. Il a rencontré Dieu. Wakati alikutana na Mungu. Il se voyait petit. Kajiona kiloko sana. Mbele ya nguzo ya moto. Il se voyait qu'il manquait beaucoup de choses. Aliona sana na kosa bitu mingi. Et c'est que Moïse manquait. Ele Musa alikosaka, la colonne de feu là. Nguzo ya moto ilikuwaka nayo. Qui peut dire amen? Et c'est que les églises na ile makanisa manque aujourd'hui. Na kosa leo, la parole ana. Neno iko nayo. C'est que toi tu manques. Ile wewe unapusa. Zie ana. Mungu iko nayo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux dire amen? Tu manques la sagesse. Unakosa
Dieu a la sagesse. Busara, Mungu si ma quelle onction. Unakosa upako. Mungu kona upako. Si ma quelle joie de sali. Unakosa furaha yokovu. Dieu a la joie de sali. Unaelele furaha yokovu. Tout ce que tu manques. Yote unapusa. Ça se trouve dans la colonne de feu. Iko ndani ya nguzo ya moto. Même à manger. Hata biakula. C'est dans la colonne de feu. Iko munguzo ya moto. Même les habits. Hata mavazi. C'est dans la colonne de feu. Ndani ya nguzo ya moto. La bonne santé. Afya njema. Dans la colonne de feu. Munguzo ya moto. Même l'argent. Hata pesa. Dans la colonne de feu. Munguzo ya moto. Tout ce que vous avez besoin. Yote munahitaji. La parole à neno iko nayo. Alléluia. Est-ce qu'il y a alléluia? Mes frères bien-aimés. Wanduku wapendwa. Il y a de cela. Kuko bale. Qui ont goûté le bonheur de la parole ici-bas. Baisha kuonja furaya neno umuchini. Goûter le bonheur de la parole ici-bas. Je veux que toi aussi na wewe pia, tu sois le témoin oculaire. Ukue mushude ulo liona mambo. Goûter le bonheur du message. Fura ya ujumbe mbele ya lufu yako unapasha kuionja pia yani ujumbe iko na biote aleluya mes frères wanduku j'étais à Shekina ni kwa mushekina en 2018 mu 2018 le pasteur dioka qui s'élève mchungaji dioka na lamuka il dit mes frères anasema nduku yangu le tabernacle que vous voyez ici maskani munaona hapa nous n'avons pas construit ça par l'argent atu kuyenga na makuta. Nous avons construit cet tabernacle par la prière. Tuliyenga imaskani kupitia maombi. Ça c'est quelle complication. Hii ni mambo ya matata. Anasema ni maombi ndio inayenga hii. Écoutez. Sikia. Le pasteur Joko a dit. Mchungaji Joko anasema. Moi j'avais besoin de la machine. Mimi nitajia machine. J'avais besoin de ma tracteur. Niko na besoin tracteur pour planir le terrain ici. Juu ya kusawanisha kwa bulongo. On vendait une machine à cette époque là $500,000. Ile tracteur le wakati beko shaka madola. Mais je n'avais pas de l'argent. Mais lakini sikuwa na pesa. Quand je montrais à Dieu les soucis de mon cœur. Wakati nionyesha Mungu itaji ya moyo yangu. Ini ser dal. Ce n'était pas un frère. Aikokuwa mwanaume dada. Ini ser comme toi. Dada moyo kama wewe. Pas ini ser qui était venu du ciel. Hapana dada toka kumbingu. Sœur qui n'était pas sortie de la terre. Dada ula asikutoka kubulongo. Ini sœur comme toi. Ye iko alikuwa kama wewe. Et allez dire au pasteur Joka. Ndio mwanisha mchungaji Joka. Papa tika kama mwana. Baba ache mambo. Ngamo kona usombango. Nipige nitauze ile tracteur. Ça c'est n'est pas Dieu. Il est na Mungu. Est-ce que cette sœur là est de chrétienne de dada anapishana wewe? Eh? Lui aussi le pasteur Joka avait besoin d'un olivier pour planter dans les terrains de l'église. Mchungaji Dioka alikuwa pia na wale wanapanda kama maua mkanisa. Je crois les frères qui ont été à Shekina voient l'olivier planté dans les terrains de Shekina. Na mimi kwamba banduku baishaka fika Shekina Kinshasa baiona baisho na ile muti ya mizabibu aliweka mule mshekina. Il avait besoin d'un olivier. Alitajia muti wa kwanza kupanda maua. Ni sera yako. Lakini dada moya tena. Hadi papa. Akasema baba. Reste calme. Bakia kimya. Moi-même j'irai en Israël. Nipeke tena mu Israeli. Je vais acheter ça. Nitauza ile muti. Wa normal. Paka hivi nastahili. Au gouvernement d'Israël. Anaenda mu serikali ya Israeli. Mali akuza moya akauza mbili ela minisa isi nakaileta hapa o ana asa mwanjelu ule ni malaika abimakina mabele alitoka mbulongo frère nduku la parole a tous ces dons nous avons neno kuna biote tunahitajia je vais attendre na mbele sikia amina quand vous prenez la parole de Dieu à la légère ukabeba neno ya Mungu tu kwa chini chini la parole te prendra aussi à la légère neno pia itakubeba paka vile aujourd'hui là leo hii les gens ne connaissent même pas ce qu'ils ont crié bacho abajua hata kile banaamini ni nini quand quelqu'un blague avec la parole wakati mtu anacheza na neno elle ne connaît pas encore. Il ne connaît pas encore l'importance de la parole. Nikusema siajua kwa maana ya neno. Mais quand quelqu'un comprend que le message est tout pour lui. Lakini mtu akaelewa kwamba ujumbe ndio biote juu yake. Il ne blaguera jamais avec le message. Asitacheza na ujumbe. C'est-à-dire nikusema pour lui juu yake. Le message ou rien. Juu kama kuna ujumbe hakuna kingine. Mais vous allez voir les frères de l'église. Lakini mtu anaba nduku ya kanisa. Il se comporte comme des païens. Bana maishi kama wapagano. Kama badada wapagano. Comme des païens. Matabia moya buchafu. Vous parlez, vous dites la vérité. Kweli, il refuse la vérité. Anakatala ukweli. Vous prêchez la parole. Unahubiri neno. De la sanctification. Ya utakaso. Il ne veut plus ça. Asipende yeye. Vous montrez aux gens. Unaonesha bantu. La voix. Njia. De vivre la parole. Ya kuishi neno. Il refuse. Anakatala. C'est-à-dire. Ni kusema. Les gens veulent adopter la mondanité. Bantu banapenda kuiga kidunia. À la place de la vérité. Pali ya ukweli. Or. Japo. Toi. Weye. Tu n'es pas
né au kuzalika pour se comparer aux gens du monde. Dieu dit fananisha na bati ya dunia au kuzalika pour te comparer aux dénominations. Fananisha na makizehebu. Tu es venu de l'éternité. Ulitoka ku milele. Tu retournes à l'éternité. Milele unarudi. Et le message ici. Na ujumbe hii est tout pour toi. Yote juu yako. Si tu veux voir. Ukapenda kuona. Le bonheur du message. Furaha ya ujumbe. La bénédiction du message. Baraka ya ujumbe. L'élévation du message. Unyanyuliwa kwa ujumbe. Let's get ton âme. Acha kwamba nafsi yako. Sois communion avec Dieu. Ushiriki na Mungu. Et tu verras Dieu en action. Na utaona Mungu mwenye kutenda. Je vais attendre un alléluia. Bwana usikie alléluia. C'est Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo. Sera ton papa aimable. Atakuwa baba yako mpendwa. Il te prendra en charge à tout. Atakuzuria mubitu byote. Merci Seigneur. Asante Bwana. Parce que dans le message. Kwani mujumbe. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Byote tunahitajia. Est-ce que quelqu'un peut garder le message? Je sema amina. Ce ne soit pas les fétiches. Aina ma uchawi. Mais le message est béni. Lakini ujumbe inabariki yaka. Pas les fétiches. Aina dawa. Le message est béni. Ujumbe inabariki yaka. Le message de Branham est béni. Ujumbe ya Branham inabariki yaka. Le message de Branham élève. Ujumbe ya Branham inanyanyuaka. Nduku. Dans les années passées. Kwa miaka inapita. Nous avions la conviction. Tulikuwaka na hakikisho. Ndio la conception. Wala namna kuwaza. Que les gens qui auront des véritables tabernacles ici au Congo. Yako kwa watu watakuwa na maskani ya kweli. En Afrique partout. Kwa Afrika nafasi yote. Ce soit seulement les calotins. Ni paka bakita tolo. Qui ont des cathédrales. Bonjour, biko na ma cathédrale. Mais le message. Lakini ujumbe. On des beaux bâtiments. Biko na mayengo nzuri. Presque même les catholiques. Kupita tabu katolo. Est-ce que vous ni mamena? Ndio unapasa mamina yako. Voilà, comme ici d'abord. Ça y est hapa hii. C'est un bijou, non? Ini bijou. Un bijou. Ini bijou. Alors l'église catholique, sasa kanisa katolo. Se demande. Inajiuliza. Banapataka franga wapi? Où est-ce qu'il trouve l'argent? Notre papa de l'argent. Baba yetu siko na pesa. Notre père. Baba yetu. Je voulais dire ton père. Ni pendo sema baba yako. Ton papa. Baba yako. A de l'argent. Ko na pesa. Qui veut dire amen? Na pesa mamina. Toute la richesse de ce monde. Ma utajiri yote ya dunia. Appartient à ton père. Ni baba yako. Nous l'appelons Jehovah Jireh. Tunamuita Jehovah Jireh. Il peut pourvoir pour toi. Anapasha kutayarisha juu yako. Même dans les vite comme ça. Entre seulement en contact avec il y a lui. Entre seulement en communion avec we lui. Shirikiane tu na ye. Tu vivras. Utaishi. Le bonheur du message ici. Mapura ya ujumbe apa pa dunia. Même toi qui avances en âge. Ata wa usha ukomea. La bénédiction du message. Mabaraka ya ujumbe. Peut se manifester chez ton fils. Anapasha konekana kwa ataku batoto yako. Ton fils là. Kwa mutoto yako ule. Va manifester. Anapasha konekanisha. La bénédiction. Mabaraka. Du bonheur que toi tu as traité. Ya pura ile wewe unatumikia Mungu. Quand il donne, wakati unaleta. Continue à le faire. Endelea kuleta. Tu peux mourir aussi comme unapasha kufa paka vile. Mais tes enfants. Lakini batoto yako. Vont voir. Bataona. La bénédiction. Mabaraka. De ce que tu fais. Ya kile wewe unafanya. Parce que Dieu. Kwani Mungu. N'est redevable à personne. Asiku wake na ndeni ya. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà. Mzuri. Alors, entrez seulement en contact. Sasa wewe ingia tu mkupata na mushiriki. Avec Dieu. Na Mungu. Vous prospérerez. Mutastai. Dita. Seme kwa mina pale. Parce que Dieu. Kwani Mungu. Tout ce que nous manquons. Le message à tout ce que nous manquons. Voilà. Zori. J'avais posé la question la fois passée. Marina pita niliulizaka. Quand Moïse était sorti. Wakati Musa alitokaka. Pour aller récupérer, donc faire sortir les enfants d'Israël. Dieu akwenda kutosha wana wa Israeli. En Égypte. Mu Misri. Il était allé avec les chars de combat. Eti alindaka na mashar de combat. Il avait des bombes nucléaires. Eti alikuwa na mabomu ya kuharibu batu mingi. Il avait des AK. Eti alikuwa na maaka 47. Non. Apana. Il est sorti avec le bateau. Alitoka tu na bakora. Un bateau qui était justifié. Bakora ile lisabiliwa aki. Un bateau que Dieu a travaillé déjà. Ile bakora Mungu epeka litumika. Mais j'avais dit le mercredi. Lakini kazi tatu nilisema. Il a déstabilisé la grande puissance. Akavurusha. Parce que en Égypte. Taifa kubwa ile wakati. En Égypte. Kwani ku Misri. C'était la grande puissance. Ilikuwa taifa kubwa mwile wakati ile. A tel point que. Munukta kusema. Pharaon pouvait dire. Pharaon apasha kusema. Moïse. Musa. Mais tu es malheureux. Lakini suko muole. Tu étais ici dans ma maison. Ulikuwa hapa mnyumba yangu. Grandi ici dans ma maison. Unakomea hapa. Je te prépare. Na kutikuwa na kutayarisha. Pour que tu me remplaces. Juu wewe ubebe fasi yangu. Tu étais devenu fou. Unakuwa bazimu. Tu es allé si c'est où? Unaenda kama ni wapi? Regardez karata aujourd'hui. On est tout miaka 40 leo. Tu reviens. Unarudia. Je te cherche. Mimi nakutafuta. Laisse ça ce que tu dis là. Acha mabubu mbafu unafanya hapa. Regarde. One. La chaise est ici. Fasi yako ingali wazi. Frère Branham me dit. Ndio Branham anasema. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Ne peut jamais faire l'échange de la parole. Hawezi kubadilisha neno. Avec les choses partielles. Na vitu vya kupita. Keep it in amen. Na pasha mamina. C'est là vous allez voir. Ndio pe mtaona. Non fille du message qui respecte la parole. Binti yetu ujumbe baba anaheshimiaka neno.
païens les considèrent comme des détraqués. Ba pagan ba naona kasa bichwa bo ina sawa. Il me présentait 1000 dollars. En passant par 1000 dollars. La serpe dit 1000 dollars. Ça 1000 dollars ni nini. Moi je ne peux pas vendre la vie de la parole. Monsieur Zisha maisha neno. À cause des 1000 dollars. Dieu a kaka il faut qu'on fasse dollar. Les païens ici. Na utona mpagan huyu. Va dire c'est pas possible. Aiwezekane. Les serfs de Branham. Dada ba Branham aba. Kama bana ba ubiria kanini. Si on leur prêche quoi? Pourquoi? Dieu a nini. Bana ikalisha parole. Elle a fait asseoir la parole. Parole na ikala. La parole a pris place en elle. Des 1000 dollars là, il voit ça comme si ça ne vaut rien. Elle ne peut jamais vendre la parole à cause des 1000 dollars. Elle ne le fera pas. Astafanya kaka moi. Païen moi ya kule inji. Un païen là dehors. A ka réussir kutongoza dada apa na bana toka. S'il réussit à courtoiser une sœur ici et puis ils sortent ensemble. Anasema ka inji. Il va parler là dehors. Bosha kana ngate frère. Si chese na mie nduko. Ngana zana ngenge makase. Mie niko na bina nguvu. Na réussir kana ba sœur ya Branham. Na ba dada benye ba tabe si tunatoka kanabo. C'est-à-dire? Ni kusema. Réussir le sœur de Branham. Kuweza ba dada ba tabe. C'est compliqué pour les païens. Ni ya ba pagano ni ya mugumu sana. Et kai reçoit. Akaweza. Il va voir que il a monté les chelo. Adora sana panda mungazi. Ngaza mutosaka na ngote. Usicheze na mie. Naza ndoki ya bamomi. Mimi niko ni mulozi ya banamuke. Na resira kana ba sera message. Na badada tabe bote na pisha. Usaka na hata pona resira kana. Usicheze na mie chun. Uzomona. Unaona? Yo. Wei. Zama kwa beta yo. Mungu atakulapiza. Comment tu vas donner? Kama kana utaleta. Ton corps. Mwili yako. A un païen. Kwa mupagano. Qui va te chater dehors. Ule mwenye ataenda kusema nkanya nje. Là vous là. Les gens n'aiment plus ça. Pas toi, ma penda que tu n'as bille, Léo. Quand on parle de ça. Baga semé à bille. Tiens, il faut prédicateur. Parle au komubiru ou à bongo. Tu parles de ça. Baga semé à bille. Tiens, prédicateur villageois. Ouais, où qu'on est au kiasili. Tu parles de ça. Baga semé à bille. Tu n'es pas la, tu n'as pas la profondeur de la parole. Baga semé à onana ou pas na yaneno. Tu ne connais pas les troisième poule. A ou Dieu m'ouvre et tatu. Quand tu parles de ça. Wakati unasemea bibintu. Oh. Chapo. Le message de Branham. Ujumbe ya Branham. C'est le trois. Et la porte ni mulango nyemba na na pasa mamina. Ce n'est pas un chemin de tralala. Aina njia kama ya je hapana. Le message. Ujumbe Branham. Pas un lit des as. Aina fasha kupumzika starehe hapana. Le message le frère Branham. Ujumbe ndugu Branham. C'est ramé à contre quoi. Yo uko na ogerea mnamuna kupinga mali. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que pasa mamina? Mais aujourd'hui. Lakini leo. Les gens ne veulent plus ça. Watu wapende tena ile. Dès que tu touches seulement la vie des gens. Ukagusa tu maisha ya watu. Il commence à dormir. Bananza kulala. Il commence à te bouder. Bananza kukusarau. Et le qui te prochain. Na ibada itakuya. Il ne viendra pas. Muona si taenda, vous ne me verrez pas. Les prédications là sont des prédications parce qu'on a touché sa vie. Yake. So kiza malingi yote. Kama Mungu asikupende. Akopa mela yote. Asita kukemea. So kiza malingi yote. Mungu kama asikupende. Akora kisayo nzela ya boyenge benese. Asita kuonesha njia utakatifu. Leo unasema kwa mimi na pale. Le monde est corrompu. Dunia isha kuharibika. La modernité entre dans nos églises de petite. Dunia isha kuingia makanisa yetu pole pole. La modernité domine les églises. Dunia ina wala makanisa. Nous commençons à se rassembler au chatibond. Tunaanza kufanana na batu wa dunia. Nos sœurs commencent à porter les habits comme les sœurs du monde. Baada ya Yesu banaanza kuvala manguo saba la baba nje. Nos sœurs commencent à se coiffer comme les frères du monde. Kaka maanza kubachora nywele saba nje. Oh, il n'en était pas ici au commencement. Chapo kumwanzo kukwaka hivi. Quand vous le faites. Wakati mnaifanya. Vous coupez la communion avec qui tu es. Wakati ushiriki na Mungu. Vous ne prospérerez jamais. Na mtastai kamwe. Je vais t'attendre à la main. Nenosiki amina. C'est ça le problème. Njo mambo. Écoutez ce que dit le prophète ici. Ce qui inabia anasema. Frère, nduku, nous si bambo kibazo tale la biso. Dunia iko natuangalia. Bambo kibazo ni kama na bana na nzambe kati na biso. Dunia inapenda kuona maisha Mungu ndani yetu. Bondi merangamba na soka za biso. Sema kwa mimi kama ni kweli. Uzale voir kae frère. Utaona kwamba kama nduku. Kite le message. Anaacha ujumbe. Pour aller au monde. Anaenda mudunia. Le paradise. Frère anasema ka nduku. Sio tu banai kolinga tola ndio. Sio tunapenda tukufuate. Yo na ndisi biso. Wewe unakia kungambo yetu. Atasi wa mimi na bangu masanga. Hata kama ni balevi. Baby que you. Banajua kwamba wewe. Omelakatembe ba medicine. Au kunyaki lakini maonkonyesha. Mwashe melaka mukeka. Pima tu kaloko. Ni sana kote mwashe. Taka mwa mu. Ni 3% tu. Mukeka. Aina na kuzanza za mingi, haitakulewesha. Tango cheka kabu. Ukapima tu. Baseki. Bana kucheka. Surtout bino wao saka na ba konjo ba saba paye. Mwe bale mnatumikana na ba pagano. Mnatumika makazi ile ba boss yenu ba pagano. O bazara nzambe te. Babosi bala bana na Mungu. Abimisi whisky. Akatosha whisky. Poya kula kisa ko respecta kaye. Ifo onela. Kama unamheshimia kwa unapasha kunywa.
Dieu a kuonesha kwamba unaheshimia yeye. Cha wanafoe. Weka pale ndugu. Yo mkonzi ameli? We chef wako anakunywa? Yo melate. We ni nani juu katale? Izaba fraba melaka. Huko banduko hapa anakunywa kapale. Pona kobati la musa. Tuachungie kwa kazi. Or Branham alodi. Japo Branham anasema? Na kati na eglise ya seduit par le monde. Mukanisa natongozwa na dunia. Na Branham anasema? Mwana na nzambe. Mtoto wa Mungu ako prefere? Ataitajia. Musala ikufa. Kazi ikufe. Meabati la parole. Lakini achunge neno. Na wewe kiamene te? Kiamina. Boni miranga masoka na. Sema kwa mina kama ni kweli. Bo melaka ba whisky. Unakunywa kama whisky kule. Kuna kwa kontipona Uba chef wenu wa kazi juu chunge kazi. Kuchunga tu kazi. Ce n'était pas par kazi ici coupe. Ce n'était pas par mon gré. Tu n'as pas la vie de Dieu. Hauna njoo na maisha yako. Tu n'as pas la vie de la parole. Hauna na maisha neno. Friend. Nduku. Uzo banga Musa. Unaogopa kazi. Si tu étais Shadrach. Kama ulikuwa Shadrach. Tu étais Meshach. Ulikuwa Meshach. Tu étais Abednego. Ulikuwa Abednego. Tu allais adorer. Ungeabudu sanamu. Tu vois le feu quand nous on a moto hivi. Un feu gouvernemental. Moto ya serikali. Parce que on a recruté les bois dans toutes les provinces. Tubalibeba makoni. Mu majimbo yote. Brûler trois personnes. Tu vas chomer bato batatu. Toi, weye. Tu allais te courber. Ungi abudu sanamu. Mais Shadrach. Lakini Shadrach. Je ne le ferai pas. Si taifanya. Peu importe ce que vous allez. Aizuru kile mu mtafanya. Il faut mais j'étais dans le feu. Ataku moto mukanichupa. J'étais moi là-bas. Munichupe. Et quand ils ont jeté dans le feu. Wakati ba mtupa ku moto. Les pomba les commandos qui les ont jetés dans le feu. Les commandos ba endo batupa ku moto. Ils étaient brûlés avant eux. Bakakufa mbele yabo. Et quand Shadrach. Na Shadrach. Les chakaya Abednego. Les chaki na Abednego. Étaient dans le feu. Baikuwa ndani ya moto. Ils ne sont pas consumés. Aba kulungula. Parce que Branham dit. Kwani Branham anasema? À Shadrach. Ndani ya Shadrach. C'était l'esprit de Dieu. Ilikuwa roho ya Mungu. À Meshach. Ndani ya Meshach. C'était l'esprit de Dieu. Quoi roi à Mungu? À l'autre là, à Abednego, c'était l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est le feu. Roi à Mungu ni moto. Et le feu ne peut jamais brûler le feu. Na moto ilunguzake moto. Ils sont sortis dans le feu, ça ils sont. Kutoka ku moto paka kwa baringia. Et tu peux sema amina. Toi fier de Dieu. Wewe binti wa Mungu. Même si tu es à Babylone. Ataka mko Babylone. Tu travailles où? Unatumikaka wapi? Il ne faut pas tolérer. Usivumilie. Que ton chef. Ya kwamba boss wako. Usate touche touche. Akuguse guse. Anaweka kama mkono, anakupika huku. Refuse. Katala avec ton corps. Na mwili yako. Il faut lui dire chef. Umeoneshe boss. Je ne suis pas ton épouse. Mimi sina bibi yako. Je travaille ici. Hapa na kianga nikutumika. Mon corps. Mwili yangu. C'est pour mon mari. Ni ya bwana yangu. Le gela de corps. Ile mwili yako. Je refuse. Na katala michezo ya mwili. Chef. Na boss wako. Tu sais connaître que tu es fille de Dieu. Bauko binti wa Mungu. Est-ce que quelqu'un va dire? Tu peux sema mina. Toi là. Lakini wewe anagusa hivi, ah chef. Chef, tu es païen, mais toi, mon pagano, tu n'as pas l'esprit de Dieu. On a un roi à Mungu. Il faut refuser avec ton corps. Je vais attendre un alléluia. Je vais attendre un alléluia. Je vais alléluia. Parce que Kwani, le chef ici là, le chef bale, sont comme des chiens. Boni kama mahimbwa. Ce sont des chiens. Ni mahimbwa. Bwa bambwa mutu. Boni bahimbwa mutu. Toi la sœur, na we dada, qui travaille là-bas, on a tumika kule. Montre la position de la parole. Onesha msimamo ya neno. Soit sur le message. Pakia pa ujumbe. Faut lui dire, monsieur, umeoneshe jamani. Je ne suis pas ton épouse. Sina bibi yako. Si je suis célibataire. Kama ni kunga mbaraka. Le corps est réservé pour les mariés. Mwili inachungwa juu ya bwana yangu. Si tu es femme mariée. Kama uko mkisha kwa unapasha muonesha. Moi mon nom c'est madame Alphonse. Jina yangu ni Muke Alphonse. Il ne faut pas me toucher, toucher. Usiniguse vile tu. Que le chef. Na ule mkurugenzi wenu. Vous êtes témoigné aux autres. Ashuhudie kwa bengine. Papa. Baba. Usimuchokoze ule. Eh, ele ntushab. Dada ule iko matata. C'est là compliqué. Basera message bale. Ce sont des de tabé. Mungu atakubénir. Dieu va te bénir. Mungu atakuinua. Dieu va t'élever. Je vais attendre un amen. Pero sikia mina. Mais ukajiachilia tu. Mais si tu te laisses emporter. Ou chef akakutwala. Si ce chef là te tient. Mungu natakuya. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Takuya. L'autre va aussi te poursuivre. Utakuwa yote. Et tu seras mwe mtoto wa Mungu. Tu seras tout sauf la fille de Dieu. Même si on te donne des babama, babani, tout ça. Ataka manakupatiaka manini. Masumu, na mamburgere, mapiza, manini, unakilaka wako nyumba. Kola isa mobali na yona. Unamkulisha na bwana wa benyewe, bitu vya busharati, na batoto. Uza sura malediction. Ni laano unatembea nayo. Vous devez garder la parole. Napasha kuchunga neno. Soko yoki nga mabe. Kama nasikia mubaya, inakuona. Meona zolo ba. Lakini mimi nasema. Mwana moko ya nzambe. Mtoto wa Mungu. Merci Seigneur. Atasema kisanti bwana. Est-ce que quelqu'un a bien dit amen? C'est là où les prédicateurs même sont découragés. Je parle à Tiaba Obiri Benye Banapungu. Quand il parle de telles choses, il voit l'église qui est en train de bouder. Il voit l'église qui est en train de bouder.
il faut en changer. Ah, ne pas diriger tout, ma obéir. Bon frère, Nuku. Ce que j'avais dit ici. Il ne sait pas. Les problèmes des péchés, tout ça. Mambo ça c'est pour les pentecôtistes. Il m'a obéi à qui pète. Laissez-moi vous donner la nourriture. Ah, tiens, peut-être ça bien coule à bataille. Des églots maintenant. Y a pas tant de bataille à passer. Alors, prenons vision de kebab. Tout peut faire ça. Oignon et kebab. Ah, alléluia. Papa. Baba. Les messages. Jumbe. Vision de kebab. Oignon et kebab. Oh, chemise carotte. Oh, chemise amadoa. Oh, mourir à Saba. C'est la vie. Ni ou maïcha. Je vais attendre un peu. C'est la vie. Ni maïcha. Le message, c'est la vie. Jumbe ni maïcha. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mamina. S'il arrive que tu tombes. Kama inafika kwamba uanguke. Il faut accepter que c'est toi qui es tombé. On n'a pas choukoubala sema unaanguka. Il ne faut pas tomber avec le message. Usianguke na ujumbe pamoja. Accepte que je suis tombé. Itika tu sema naanguka. Confesse. Tubu. Dieu va te relever. Na Mungu atakunyangula. OK? Dio. Et le Saint-Esprit à toi. Na Roho Mtakatifu ndani yako. Ne choisira pas la parole. Aitaanza kuchakula neno. Le Saint-Esprit dira amen à toute la parole. Roho Mtakatifu yako itasema amen na muneno yote. Même si c'est fort. Hata kama ni ya nguvu. Dira d'abord amen. Sema mbele amina. Et tu vas dire Seigneur. Na utasema Bwana. Ce qui est prêché ici. Hii kwa Zambia. C'est fort. Ni ya nguvu. Mais aide-moi. Hii manubiria ni ya nguvu lakini unisaidie. Niishi. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et tu peux sema amina. Mes frères, Bandoku. Je suis arrivé à Kinshasa. Il fait Kinshasa. C'était en 2022. Il est quoi, mec? 2022. Je prêche Dieu de la chair. Na ubiri juu ya mimbari. Ngaka akolobakeno famille Jésus zamba pambula binu. Miungu sema tu jamaa Yesu Mungu amibariki. Ba frère ba finginga. Banduku banantukana. Kala no bi famille Jésus. Bwana sema jamaa Yesu. Oh, c'est un prédicateur primaire. Oh, ni mubiri huyo asikufunda sana. Bana nivo ya se. Eh, ngali atu yake ngai. Ile lazo banalo famille Jésus. Kaka leo ngai sema jamaa Yesu. Sikuyua. Moi je ne savais pas. C'est le pasteur qui vient me dit. Muchungaji wake unaonesha. Papa. Baba. Tango pesa kibiso mbote fadhi Yesu. Wakati tulamukia sema jamaa Yesu jambo. Na prebiba moni yo. Bakondo bana kuona. Uza mutemi wako yebi rokote. Kuko tu mubira ubijue. Esengala kilo ba famille Branham. Jamaa Branham. Ngala lobi très bien pasteur. Nasema mzuri mchungaji. Ulinginga makasi. Unanipenda sana. Dimanche. Jumapili. Na répondre église nayo. Nitajibia kanisa yako. Dimanche, Jumapiri, na zui citation. Na beba andiko. O Branham azolo ba. Kule Branham yuko nasema. La famille est jamaa. Jamaa ile iko kumbingu. S'appelle la famille. Inaitwa jamaa Yesu. La famille est sur la terre. Jamaa mumudunia. S'appelle la famille. Inaitwa jamaa Yesu. Pe na zui citation. Na beba andiko. O azolo ba. Ile unaonesha. Famille Branham. Jamaa Branham. Na tangi yango. Na isoma. Bolo makasisiko. Museme sasa. Pona nini buyuai? Chua nini kupenda kujua mingi hivi? Buyuai frère. Buyuai. Leo na message frère. Leo mujumbe. Ba brebi baza ko depiese ba predikate. Ba kondo be ona katakata ba ujumbe. Ko depiese. Be ona katakata kiloko ba ubiri. Ko destabilize. Kusema bana bavurusha. Ba brebi baza na posa olo ba oyo bango ba lingi. Be ko napenda useme bile bo banapenda. Tango lo bio bango ba lingi. Ukasema bile na bafurahisha. Ndio kuzoba shasi ya bakado. Ndio tapata tu mazawadi. Ba mote. Ma ma sa. Appreciation. Ma kukufurahia. Na bango ya noir ukasemea maisha yabo meusi uko mie enemy deja unakuwa adui yabo wana deja de l'estage na église pale mukanisa bengine abananza na kukosa ukuya ah c'est sur des paroles anciennes frère ah il mobile ya zamani or tunaimbaka hapa japo nous chantons ici donnez-moi unipatie l'ancienne évangile injili ya zamani est-ce que quelqu'un veut dire ça mamina. Peu importe là où nous irons. Aizuru kule tutaenda. Dans n'importe quel mystère. Aizuru musiri gani. La conclusion du message c'est la vie. Mwisho ya ujumbe ni maisha. Napenda sikiamina. La conclusion du message c'est quoi? Mwisho ya ujumbe ni nini? C'est la vie. Ni maisha. Na oki kimya? Nasikia kimya. Kota na communion na Nzambe. Ingia mushiriki na Mungu. Uko prospere. Utastai. Frère, Nduku, vous êtes tous témoins ici. Moi, bote, j'ai dit aux enfants de Dieu. Nous tous nous sommes des humains. Si bote, batu, il arrive des fois nous commettons des erreurs. Nafikaka tufe makosa, un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu, quand il dévie la parole. Wakati anachora neno, utaona maneno inavurunganaka. Tu vas voir des complications dans tes affaires. Maneno inavurunganaka. Tu vas voir des complications très sévères. Kukuraba, ça ou quoi vivre la parole. Quand tu vis la parole, maneno iko ndani. Tu vois les choses évoluer comme sous le roux. Mais quand tu déconnes, toi-même tu vas sentir que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Si tu t'examines, tu arranges. Et les choses vont également marcher. J'ai dit les enfants de Dieu. Quand tu déconnes,
Dieu va laisser des problèmes t'arriver. Atacha mambo kufikie. Pour te remettre sur la bonne voie. Kurudisha munjia inastahili. Est-ce que vous croyez à ça? Et si mon ami ni. Oh mwana malade. Tutaona mtoto mgonjwa mambo hivi. Hivi vile sala kazi complication. Mama matatizo. Il faut regarder bien. Angalisha mzuri. Peut-être tu as déconné. Sasa zingine kufati moya au kishi. Est-ce que quelqu'un peut croire à ça? Et si mon apostle mamina. Pour nous, juu yetu. La vie. Maisha, c'est le message. Ni ujumbe. La bénédiction. Mabaraka, c'est le message. Ni ujumbe. La protection. Ukingo, c'est le ujumbe. La prospérité. Ustai, c'est le message. Ujumbe. La progression. Kwenda kumbele, c'est le message. La bonne santé. Afya njema, c'est le message. Toutes les bonnes choses. Vitu vyote vizuri. Pour nous, c'est le message. Si ni ujumbe. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Est-ce que tu peux se mamina? Entrez à communion avec Dieu. Ndio mushiriki na Mungu. Et vous allez voir le bonheur du na message. Na utaona mafuraha ya ujumbe. Je vais attendre un amen. Tena sikia amina. Voilà. Mzuri. Et maintenant sasa, Eve nous a fait mal. Hein? Ewa alitukosea sana. Heureusement que le message est venu. Eritu hivi ujumbe ilikuya. Kwa sababu na lisumu lisango. Kukia kututosha muzambi ile ya mwanzo. Voilà, nous sommes déjà libres. Hapa tuko huru. Le message du temps de la fin. Kupitia ujumbe wakati ya mwisho. C'est la citation ici et puis nous allons rentrer dans la. Sasa nasoma hii andiko hii mabili na bicha tarjia kwa. De vagabond. Wakati batu bana waya waya, ce sont les gens qui ont coupé la communion avec Dieu. Ni kusema basha kukata ushiriki na Mungu. Église, vous y êtes? Kanisa Mungu wako. Est-ce que vous y êtes? Eti Mungu wako. Voilà. Mzuri. Si vous avez déjà des invitations de païens dans votre téléphone. Kama muko na mamialiko ba pagano mu masimu yenu. Coupez ça aujourd'hui. Mwikate leo. Faut lui dire papa. Mwoneshe baba. Mabiloko wana to sola kia. Ile bitu tuliongea na wewe. Mlimo na zambi amoni deja. Roho ya Mungu shakuiona. Longona numero no. Vuta tu namba yangu na unamuweka mu liste noir ngolongo yalo kote parce que aina na kilo takosa telefone za bilogo moko so kika ka to recruter ba telefone na bino atokitisha ngwa to sala control e koza na ba tukabeba masimu yenu hapa tufanye upekuzi mambo itakuwa ni matata ya telefone sikile sio pas sauvé ici kuko mafoni hapa masimu hapa nyaya yakolewa telefone sikile sio pas activé masimu yenyaya yatakasiwe kwa hapa tuka tuka brisquer tout si on te brisque hey, seulement ligne, et donne, donne ton téléphone ah, ici mets ton téléphone ici débloque code donne nous les codes bakake oye kobeta awa tutapata maminguru makubwa hapa batu wapike ba crise a batu bengine bataanguka kifulifuli hapa le téléphone ne sont pas activés oh. Masimu comme vous aitakasiwe vile mko pale mimi sema wengine nasema hapa hivi mko hapa. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Je commande à mina sema hivi. Rentre à la maison. Rudia ku nyumba. Coupe de telles relations. Ma kupatana kwa vile uikate. Cela ne t'amènera rien. Akina na kile kitakuletea. Ne te procurera. Akina na kile kitakupatia. Reste avec Dieu. Bakia na Mungu. C'est Dieu qui te bénira. Mungu ndio atakubariki. Je vais attendre un amen. Bedoski amina. Annule toutes les invitations là. Vuta ile mamialiko yote ile. Efface toutes les photos immorales. Vuta mapicha yote ile aina na adabu nzuri. Tu es en train de filistrer ton esprit. Roho yako na ivurushwa tu kwa bure. Tu es en train de devenir charnel à côté ça. Uko na kwa kimwili juu ya ile. Le téléphone est devenu comme une affaire entre nos mains. Simu inakuwa kama gehena mu mikono yetu. Le téléphone. Simu. C'est l'affaire. Ni gehena. Ni felo mobimba frère. Gehena muzima. Si nous ne savons pas gérer ça. Kama tu Dieu kuiongoza, tu seras surpris à la fin. Wo utashituka kumwisho. Kipende ngamena. Na posema amina pale. Voilà maintenant. Sasa. Branham dit ceci. Branham anasema hivi, dans la foi c'est notre victoire. Mahubiri imani ndio ushindi yetu. Qui est prêché le 4 octobre? Ilubiriwa tarehe ine mwezi wa 10. 1958. Mwaka 58. Le paragraphe 14. Kifungu yake ya 14. Branham dit ceci. Branham anasema il dit, anasema, il en est ainsi de la vie humaine. Jo sambamba na maisha ya watu. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Wewe hauwezi kanyanga makanuni ya kuishi na uwazi ya kwamba utapata ushindi. Est-ce que vous croyez à ça? Eti mnaamini? Si vous violez kama les règles des jeux de la vie, ya mchezo ya maisha hii, vous ne gagnerez rien. Hautawina.
immédiatement d'abord. Vous devez jouer cela. On n'a pas à vous conformer à la parole de Dieu. Et à l'objectif pour lequel vous avez été placé. Je continue parce que c'est une longue citation. Paragraphe 15. Branham dit ceci. Branham anasema. Il y a tant de gens. Kuko batu mingi. Qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Beko sa abana na kifukuzio mumaisha. Les gens sont sur la terre. Batu beko mudunia. Il ne connaît pas pourquoi il est venu sur la terre. Asijue kile eko mudunia niko na kufanya nini. Spécialement à ces jours où nous vivons maintenant. Kwa ki peke mwisiku tunaishi leo. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire. Batu biko na waza sabi yote bile mapasha kufanya. C'est de suivre quelqu'un d'autre. Ni kufuishi sa mtu mwingine. Avec des habitudes du monde. Na mazoezi ya kidunia. Avec la séduction que le monde leur offre. Na kutongoziwa hii dunia inabapatia. Juste comme ceci. Paka kama hivi. Si vous allez à l'école. Kama mnaenda mshule. Et que certaines filles portent des petites robes. Na babinti mingine banavala makanju mifupi. Ou un habit ou peu importe comment vous appelez cela. Wala izuru vile munaitaka. Toute l'ambition des autres écolières. Nia ya bale banafunzi bengine tutunamuke tote. C'est de prendre modèle sur cette fille là. Ni kubeba mufano ya ule binti. Aujourd'hui c'est ce qui se passe. Leo njo bile bi unapitikana. Mais laissez-moi vous dire ceci frère. Lakini acha nimeoneshe hivi ndoko. Dans l'amour de Dieu. Muma, na kupitia mapendo ya Mungu. Dieu t'a créé. Mungu alikuumba. Pour que tu puisses le servir. Chumu tumikie. Il ne faut pas perdre les bits. Wow, si potéche kifukuzio yako. Ne manquez pas les bits. Usikose kifukuzio. Il y a les gens qui vivent comme si ils oublient qu'un jour la mort le peut les surprendre. Ils vivent en ne pensant pas qu'il y a la fin de toutes choses. Ils manquent l'objectif. Quelqu'un qui avance en âge, mais il joue avec sa vie. Il ne prépare rien. Il ne fait rien. Il sait que les années passent. Au lieu de préparer sa vie spirituelle, jamais. Il ne le fait pas. Branham dit ici, il cherche plutôt à copier le monde. À suivre les gens du monde. Nos filles de nos familles chrétiennes, ils partent à l'école, ils voient les païens avec des mini-jeeps, avec des jeeps tremblantes, avec des bras cassés, avec des histoires honnêtes, avec des ceci et cela. Vous allez voir les filles kitona mabinti ya Mungu. Vele se compare avec les filles. Napenda kujifananisha na mabinti ya dunia. Kuna maduka mengine iko naenda na uniforme kunyumba hivi. Il y a certaines personnes qui partent avec l'uniforme à la maison. Kati ya sac iko na kikwembe. Dans son sac, il a un pagne. Iko na kikwembe kati ya sac. Elle a un pagne dans son sac. Baki toka tu. S'il sort seulement de l'école. Kikwembe. Elle met le pagne. Elle va manger ingine. Ah, elle change le chemin. Quelque part, Fasimoya, dans nos villes ici pour ne pas citer, parce qu'on est en train de me suivre partout, un papa et une maman qui payent les frais scolaires de l'enfant, c'est-à-dire les frais académiques pour l'enfant pendant 3 ans. Baba na mama banalipia mtoto yabo masomo. Oro mtoto aende kumasomo. Japo l'enfant ne partait même pas à l'université. Mais qu'on lui paye chaque année. On paye pour elle chaque année. Mais bané tatouille, hein? Mais toutes ces 3 années, aucune fois elle était partie à l'université. Elle sort de la maison, elle part ailleurs. 14 heures, elle rentre à la maison. Frère, lorsque tu vas découvrir ta propre fille qui fait ça, est-ce que tu ne vas pas piquer crise? Pourquoi? Dieu a nini? Le monde. Dunia. Le monde. Dunia. Elle part à l'école. Naba prostituée. Elle rencontre des prostituées. Attends de coupe plage. Oh, attends, allons à la plage. Ceci. Allons au pique-nique. Oui, vi. Ana rudia. Elle rentre. Mama. Il faut prendre soin de vos filles. Uzuria babinti yenu mzuri. Je vais attendre na mère. Napenda sikia mina. Le monde est arrivé à la fin. Dunia iko ku mwisho. Il y a la pollution dans le monde terrible. Kuchafuka ku dunia ni matata. La mondanité cherche à dominer la parole. Ki dunia inapenda itawale neno. La mondanité cherche à ravir nos frères dans l'église. Inapenda itunyanganye badada yetu mkanisa. Ravir nos sœurs dans l'église. Inyanganya badada yetu mkanisa. Mais les élites ne seront jamais perdus. Wateule awatapotea kamwe. Et quelqu'un peut dire amen. Mtu mtapose mamina.
bien garder les filles. Chunga babinti il faut bien garder les frères. Chunga ba nduku ba tchwa ko mzuri. Ateko na miaka 20. Il faut la surveiller. Wana pesha kumchunguza. Peu importe 16 années. Aizuru miaka iko nayo. Elle a toujours ta fille. Akingali paka binti wako. Eti mtapose mamina. Parce que kuko na batoto biko ya timide ba mama yao. Ya certains enfants qui intimident leur maman. Iko nini? Mama c'est quoi? Siko tena mtoto. Je suis préliminaire. Uko mtoto. Tu continues à être un enfant. Même si tu as 35 ans, tu es sa fille. Musiachilie. Ne laissez pas vos filles. Dunia inaharibika. Le monde est à la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtapose mamina. Il y a des maladies partout. Il y a des complications terribles. Mama tatizo fasi yote. Il y a les gens qui cherchent les fétiches pour le succès. Basi wanatafuta madawa juu ya kavumu. Ukaenda unaingia madawa. Si tu pars fétiché. Ulete frère hapa. Pour sacrifier un frère ici. Le frère est spirituel. Et na ule nduku il est spirituel. Bazim. Tu vas finir par la folie. Ou sacrifier mama yako. Mama yako. Ton père qui prie. Abata mwana ta. On ne te verra même pas. Ouais, peke njou taenda. C'est toi-même qui ira. Sacrifice. Kama sadaka. Ce que je vous dis ici, la mondanité est en train de s'infiltrer dans l'église. Iko na dingiza pole pole mkanisa. Dans les églises du message. Mkanisa ya ujumbe. J'ai dit bien du message. Nasema mzuri ya ujumbe. La mondanité est en train de glisser. Dunia yo iko na ingia pole pole. Est-ce que mudimeni kamera? Est-ce que nasema kwa mina pale? Alors nous ici. Sasa si hapa. Nous devons veiller. Tunapasha kukesha. Afek la mondanité. Na iki juki kidunia. La mondanité étouffe l'église. Nduku kidunia kinazuia kanisa. La mondanité dans l'église a bloqué la bénédiction. Dunia mukanisa inazuiaka mabaraka, inafungaka kustahili. Ça bloque toutes les bonnes choses. Funga vitu vyote vizuri. Ça peut même faire que inapasha kufanya taya kwamba Dieu ne puisse pas montrer quelque chose. Mungu asioneshe kitu hapa. Dieu, Mungu dans l'église. Mukanisa, il y a quelque chose de faux qui vient pour les frères ici. Kuko kitu mwa kibaki na kia juu ya nduku hapa. Il peut montrer avant. Anapasha kuonesha mbele. Frère Keba, nduku Keba ange. Yaloko kuko kitu fulani fulani inatarishwa juu yako. La spiritualité est là. Ju qui a qui roque mais quand il y a la distraction, lakini kama batu beko kulengama, n'importe quoi peut entrer. Qui aizuru nini napasha kuingia. Aimez moi mes frères. Munipende banduku. Ce que j'ai dit. Mimi nasema hapa. Vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tu mtapose amina. Ça vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. Ne copiez pas le monde. Amen. Usiige dunia amina. Ne copiez pas les habits du monde. Usiige mazoezi ya kidunia. Comme ça. Mavazi mifupi paka. Dada kati ya Kristo hapa. Alati na mwa mkusebo. Anafanya karobe kafupi hapa. Ndesiko azu mwa eponge. Jana basa ka eponge. Mwa esharpi mushwar. Ndia chedi busobo. Jana anza kuweka payulu. Anagunja na tumikulu. Eh, achebwe. Anafanya. Ozoba ngana. Unafinika tena nini? C'est comme ça que chai. Wewe ulipenda ukwe bifupi. Si wache tuone. Ce n'est pas les tenues des enfants de Dieu. Aina mavazi ya batoto ya Mungu. Je vais attendre la manière. Napenda sikia amina. Nazo kama na makasisi. Sikia amina kubwa. Aujourd'hui, leo, les gens sont en train de copier le monde. Batu biko na iga dunia. Tout ce qui est dans le monde. Yote ko mu dunia. Cherche à s'infiltrer dans l'église. Inaingia pole pole mu kanisa. Lentement. Pole pole. Un jour, siku moja, les frères, nduku moja, qui jouent les instruments dans mon église, ont joué les rythmes de wera. Dans mon église. Banduku bale mapiga binanda bana pika. Tozoe mzembo ya zambe. Mais petit wana azo beta. Yo za demon frère, ça c'est quoi demon? Ni bien chebi. Yo tozo mazembo za mekoto. Tu n'es pas bête kuna. Wo pike bile. Mwimbo wa wera son. Ti di al albima. Toka. Toka. Au ta pika tena. Et tu ne vas plus jouer. Frère, nduku. Kuko na maneno? Yes, certaines choses. Kuma kanisa leo? À l'église aujourd'hui. Niko na imba hivi. On chante comme ça. C'est Branham qui dit. Ni Branham qu'on asema. Il chante comme les anges. Banaimba kama malaika. Mais il danse comme les démons. Lakini na banacheza kama mademona. Dans les églises aujourd'hui. Kuma kanisa leo. Il chante comme les anges. Banaimba kama ba malaika. Mais il danse comme les démons. Mchezeo yabo ni kama mademona. Wasikia tu eh? Mwimbo kabisa. Tu attends le parole tu dis que tu sens que il y a Dieu dedans. Mutumiki ya Mungu ni furanduku. Ni furanduku. Donne vie tu rakua. Donc vous voyez bon. Ici on a dit ça. Ibi banaimba na bema na cheza abi bambane. Nzambe na ngai ye. Et puis,
Ma frère, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je vais attendre un amen. Parce que comment on chante les catéchismes de Dieu? Mais on bina makolo ya fali. Ouais, on a cheza mwimbo ya fali vile ampika mikulu. Na munoko boye. Ukinywa hivi. Mwimbo ya nzambe. Mwimbo ya Mungu. Mema makolo. Lakini mikulu desa set yoyo. Ebo maka. On a fait formule 7. Ça c'est quoi ça? Ibia chebi. Ah, bima frère. Toka. Ça ce n'est pas l'audace de Dieu. Aina michezo ya Mungu. Et aujourd'hui, na leo, ça se trouve dans les messages. Iko makanisa ya ujumbe leo. Nous n'allons pas apprécier ça. Atutaifurahikia. C'est la mondanité. Ni kidunia. Ce sont des choses à bouter dehors. Kitu vya kupweka nje. C'est la mondanité dans l'église. Ile ni kidunia mkanisa. Tunabifukuza nje. Ce sont les danses sataniques. Ni michezo ya shetani. Nous avons notre manière de danser. Nous avons notre manière de chanter. Nous avons notre manière de chanter. Nous avons notre manière. Le message est complet à toutes choses. Alléluia. On ne peut pas copier le monde là. Tu as squigé dunia. Non, peu importe. Aizuru. Ça peut briller. Inakuwa kuna vumu. Ça peut avoir tu sais de quelle sorte d'éclat. Aizuru itakuwa na meremeta je. Ce n'est pas conforme au message. Kama ifanane na ujumbe. Deo. Inje. Parce que ça risque de nous bloquer la bénédiction. Kwani napasha kutufungia tama baraka. Ça risque de nous bloquer la prospérité. Napasha kutufungia kustai. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que tu peux se mamina? Donc nous devons veiller à ça. Donc ça tunapasha kukesha tu ile. Parce que le monde est fouti. Kwani dunia ishakuharibika. Le monde est fouti. Dunia inaharibika. On se compile à l'autre. On se compile à l'autre. Tunachangana bamwe na bengine. C'est pourquoi? Njoo kwa maana moi mie j'aime Branham. Napenda Branham. Parce que Branham. Kwani Branham anasema un enfant de Dieu. Toto wa Mungu. Peut parfois brocher. Sasa zingine anapasha kukwala wala kufanya kosa. Il va se relever. Lakini atalamuka. Est-ce que vous croyez? Est-ce que mnaamini hivi? Un enfant de Dieu peut tomber. Toto wa Mungu anapasha kuanguka. Il va se relever. Atalamuka. Mais quand vous voulez prendre. Lakini ukapenda kubeba. Les choses qui tuent l'église. Bitu binaua kanisa. Qui tue ta vie. Inaua maisha yako. Et kostala nini frère. Itafanya nini nduku. Inesali nini frère. Njoo inafanya nini nduku. Ah? Ah? Et ça nini? Et itafanya nini? Da sa fali. Ile unacheza ile. Usaelo kote. Mchezo wa fali itafanya kitu. Ah bon? Mzuri. Et kostala yaloko. Itafanya kitu. Et usaelo. Kiko na kile kitafanya. Kale kabla da zina église comme ça. Basi mwa mkanisa moya hivi. Ili sere sisi sete an esprit. Dada moya kama gani mkiroka kama ni munini? Elle danse en désordre. Anaanza kucheza mfujo fujo. Ni danse de séduction. Mchezo moya kutongoza nayo ba kaka balikuwa mule kanisa. Elle danse en esprit. Anasema anacheza mkiro. Chaque jour. Kila siku. Yagi kwa kata kabisa iko tremuse ni mtu ashi. No. Sir. Hata mtu ashinye Seigneur Dieu. Hata mtu ashinye ba ichezake. Ah non, hapana. Inapita. Mimi nasema Seigneur Dieu. Edith, Bwana Mungu. Pardon. Utusameko. Utuangalie huyu mtu. Regarde pour nous ce problème. Or une sorcière de Tala. Japo ni mulozi mkubwa. Une sorcière de Tala. Ni mulozi fundi mubulozi. Je me réserve pour ça. Mie parce que je ne connais pas les gens qui me suivent. Si Dieu bat toujours la mes frères. Wanduku. Ce qui est mal est mal. Il est comme mubaya ni mubaya. Je vais attendre un amen. Prendre ce qui est mina. Le noir est noir. Mweusi ni mweusi. Qui peut dire amen à ça? N'importe ma mina. Le blanc est blanc. Mweupe ni mweupe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tu peux passer ma mina. J'aimerais vous dire ceci. Prendre mes chaises. Les dénominationnels. Wakizehebu. Et nous. Nasiye. Nous ne prions pas les mêmes dieux. Atomba ke Mungu moya. Ah oui. Dio. Tu peux dire à frère, si on va s'appeler la paix Jésus. Non. Apana. Le Jésus que nous prions. Yesu si tunaomba. Ce Jésus dans la chair. Ni Yesu mumwili ya mutu. Quand Jésus est dans ton cœur. Wakati Yesu kwa moyo wako. Il va te changer. Atakubadilisha. Nous ne prions pas un Jésus imaginaire. Atuombake Yesu wa mawazo. Jésus dans l'air. Yesu muewa hivi. Nous prions un Jésus dans la chair. Wakati Yesu mumwili. Et quand il entre à toi. Wakati ngia ndani yako. Il va te changer. Atakubadilisha. Est-ce que tu peux sema amina? Ça le problème. Njo mambo. Nous ne changeons pas les noms seulement. Atubadilisha ke tumajina. Quand les noms changent. Wakati jina badilika. La nature doit aussi changer. Asili pia anapasha badilika. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Et tu me dois sema amina. On change les noms. Na badilisha jina. On change aussi la nature. Badilisha pia asili yako. Conforme le message à tout. Ujumbe iko na biote. Il n'y a rien à copier dehors. Hakuna kia kuiga nje. Le message à les chansons. Ujumbe kuna mimbo. Il n'y a rien à copier dehors. Hakuna kilo taiga nje. Le message à sa manière de danser. Ujumbe kuna namuna yake ya kucheza. Il n'y a rien à copier dehors. Hakuna kilo taiga nje. Le message à sa prédication. Ujumbe kuna mahubiri yake. Nous n'avons rien à prendre dehors. Hakuna kilo tendo kubeba nje. Bon frère Omoni. Nduku naona. Yuzana na matea ya kubenga batu. Kuko mahubiri ya kualika no batu. Il faut kuchanga na mwa ba. On peut mélanger avec ma prédication ya Hollywood mwa mke. Mahubiri ya Hollywood kiloko. Ile batu banapendaka. Venez tel que vous êtes. Mukie vile
moko. Papa. Baba. Papa. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Ne crois pas la parole pour fuir l'enfer. Asiamini yake neno jua kukimbia zehena. Nous n'avons pas crié le message pour fuir l'enfer. Atukwamini ujumbe jua kukimbia gehena. Branham a dit si tu crois le message. Branham anasema kama unaamini ujumbe. Pour fuir l'enfer. Jua kukimbia gehena. Tu deviens un véritable candidat de la foi. Wewe moya kwa moya utaenda ku gehena. Mais nous avons crié la parole. Si tunaamini ujumbe. Parce que nous sommes les fils de la parole. Tuko batoto ya neno. Est-ce que tu sema amina pale? D'ailleurs, aujourd'hui, na, kwa kusema tena leo, il y a des histoires qui se passent dans notre église qui etu, ne passaient pas quand on croyait. Wakati si tuliamini yaka bikuwa na pitaka. Mais, lakini, les gens étaient dans notre église plein. Batu mkanisa etu wakua bakuyala. Parce que nous n'avions pas beaucoup de brochures. Tu kukana mamikana nabii mingi. Ma, ilikuwa, ata makanisa ingine leo hii. Ya, même certaines églises aujourd'hui. Pas de tresse de cheveux. Il n'y a pas de tresse. Nous, kwani leo, si on n'avait pas beaucoup de brochures. Atukua na mamikana mingi ya nabii. On ne comprenait pas les sens. Atukua na elewaka maana. Les cheveux. Ya kusuka nywele. Na kukata nywele. De perike. Ya maperike na mabitu ya vile. D'autres églises. Makanisa ingine. Kwa kuangalia hivi. On te regarde comme ça. Kukichu. A la tête. Nini unachapa? Asa, qu'est-ce que tu as ajouté? Inche. Va enlever. Di. Nini. Comment t'as coiffé? Va là-bas. Dans les années 94-95. Ma miaka 94-95. Mais quand on a lu les brochures, lakini wakati tunasoma mikana na brandre kana tunafika kuelewa kwamba on avait aussi exagéré. Na tulipitisha na siye. Mais à cette période là, lakini ile wakati, les gens venaient toujours à l'église. Ba tumekuwa kiaka paka mukanisa. Voyez? Munaona? Parce que c'est il y avait seulement les ke comme ça. Ulikuwa tu banafunga tu nywele tu hivi manekokota ku mkongo. Tresse les cheveux. Selon la Bible. Une femme ne peut pas tresser les cheveux tout tout. Ba nywele autaingia. Mwanamke hawezi kuingia au taingia toka. Mekao na li Branham. Wakati unasoma Branham. Branham andile tresse de cheveux. Kama anasema kufunga kusuka nywele wakati ya Paul. C'était le signe de prostituée. Ilikuwa alama ya bakaaba. Mais pour nous. Na kama lakini juu yetu. Ni pale signe de prostituée. Haina alama ya ukaaba. Le signe de prostituée maintenant. Alama ya ukaaba leo. Kukata nywele. Donc tu vas comprendre. On a compris. Ah. Mais bien que ça. Ata ina vile. Badala balikuwa tu kokoe kanisa. Les sœurs venaient toujours à l'église. Parce que ndani yabo. Kwani à l'intérieur d'elles. Balikuwa tu na soif ya parole. Ils avaient la soif de la parole. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Les choses qui est péché. Bitu bile biko zambi. Tu parles sur ça. Nabi semeya. Coupir. Abakue tena mkanisa. Coupir. Waonekane tena. Moi je vais aller à l'église jusqu'à ce que ces prédicateurs pentecôtistes passent. Mutaniona mkanisa pako le mubiru akipenta anaisha. Et quand on va commencer à toucher les blés du pays, c'est alors que. Kati bataza kubiri magano ya muji. Nous voulons les prédicateurs qui grandent dans les champs de Boaz. Si tunapendaga babiri bale banakuwa na lokota matunda mushamba ya Boaz. Toi. Nzambe na ngaye. En tout cas. Et puis mayele oyo batu ya ba assemblée bazana ngope akili batu ya mamaskani beko nayo koye bakoloba ofande kimalobi e Seigneur o batu na kujua ile beko nayo nikala kiona nasema Bwana e Seigneur Jésus donc ukwasikia langage mtu kwa kutosea hivi unasema frère le message n'est pas vraiment frère papa Nduku. Ah non ce sont les citations de 1944 frère Nduku ukamsomea sema ah ile ni maandiko ya miaka 44 nguzo ya moto ilikuwa ya kula le message c'est à partir de 63 ujumbe ni kutokea miaka 63 nani alikuambia vile basi ça c'est qu'elle comprend ni uelevu wa je huyu Branham dit Branham anasema depuis que j'ai prêché tokea mimi nilihubiriaka je n'ai jamais enlevé un iota si atoshaka je n'ai jamais changé si abadilishaka ta aucun iota ata iota moya ne vous comparez pas au monde mwe musijifananishe na baki dunia ne copie pas le monde dit amen usiige dunia mseme amina disons amen à ça mseme amina kwa hii frère nduku il y a les prédications vraiment un prédicateur de message qui lit la Bible kuko mahubiri mhubiri wa juma anasoma Biblia il est normal que un sacrificateur puisse avoir une coquibine anasoma anasema anasoma anasoma inawezekana mkoani akuwe na abala. C'est-à-dire, mienne, comme je suis ici, ma femme est restée à Kisangani là-bas. Je cherche une copine ici. On prêche ça dans les assemblées du message. Ya ujumbe. Ça, ce n'est pas l'amour. Et nena lufu. Ça, ce n'est pas l'amour. Et nena kidunia ile. Même si vous glanez dans les champs de Boaz. Et c'est comme ça qu'on glane vraiment. Unana. Tu vois maintenant. Ne tolérons pas ça. Tout ce vous milieu bien vilé.
Ça c'est une vie qui bloque la vie des gens. Maisha inafunga kuendelea mbele kwa batu. Ça détruit même les projets. Inaribu hata maplo yote. Ça engage des morts brisques. Na inaleta hata malufu ya rafla. Ça bloque même des travaux que vous faites là. Inafunga hata makazi mwa unafanya. Ça amène des maladies, des complications terribles. Inaleta magonjwa na matatizo kubwa mwa maisha. Même si c'est fort, mais dites amen d'abord. Hata kama ni nguvu mseme amina. Je vais attendre un amen là au milieu. Ndio sikia amina kule katikati. Croyez d'abord à ça. Muamini mbele hii. Parce que Dieu a besoin que tu entres en communion avec lui. Kwani Mungu anapenda uingie mshiriki naye. Pour que tu prospères. Juu stai. Est-ce qu'il y a un amen? Est-ce qu'on amina? Un amen qui vient du cœur. Amina inatoka ku moyo. Voilà. Mzuri. Aimez ça. Muipende. Ça c'est pour te sauver. Ni jua kukuokoa. Bien que c'est amen. Ata hivi ni ya buchungu. Avale ça. Meza. Ça va te donner la santé. Itakupatia afya njema. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et mtu apose amina. Voilà, j'arrive. Nafiki hapo. Il ne faut pas copier le monde. Usiige dunia. Lele manière de porter. Na mnaweza ya kuvala? Eh eh. Hapana. Lele manière de parler. Na mnaweza ya kusema? Lele manière de danser. Na mnaweza ya kucheza? Lele manière de chanter. Na mnaweza ya kuimba? Mhm. Il y a le Hollywood déjà dans les églises. Muma kanisa Hollywood isha kuingia. Et amener ça dans les messages ici, ça va détruire les principes. Atupende kuileta ujumbe huku itaharibu makanuni. Il ne faut pas marquer les bits. Usikose ile shaba. Tu dois savoir pourquoi tu es venu sur la terre. Unapasha kujua sababu ile ulikuja umudunia. Écoutez ce que Branham a dit. Usikie inasema Branham hapa. Il y a certaines femmes qui voient paraître à la télévision une certaine dame habillé d'une certaine façon. Anasema kuko bana muke banaona kama television mwanamke fulani anavala mwanamke fulani. Les ambitions. Sasa mzuri mania yabo sasa. C'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Kuvala na kutenda paka vile aliona mu television. C'est comme ça aujourd'hui. Jo vile leo. Les gens qui regardent la télévision. Batu wanaangalia ma television. Ils voient maman Mbulia belle. Banaona Mbulia belle. Avec des tenis c'est comment? Bana mavazi kama ni ya je. Nasema na kutonga modela maman Mbulia belle. Ile vile bali mushonea nguo na mimi nitabatanishonea. Mbulia belle. Mbulia belle. Mais j'ai 30. Ah voilà, mais j'ai 30. Na kutonga nanga na mwanake. Na mimi tavala vile mais j'ai 30 bali mushonea. Même les chanteuses là, les chanteuses religieuses. Atabale badara baimbaji ba ya kanisa ma mimbo ya Mungu. Commence à chanter, elle paraît être comme un peu comme une sainte comme ça, comme quelqu'un qui se respecte un peu. Mwanzo wa mwimbo yake ukutaona mavazi na mwanamume anafanya saiko na jeshi. Mais bakanja tu kununua babanda yake. Si seulement elle a du succès. Hein? Quand on ngeza bia kupinywa. Sa tilapia. Ikoke. Ngine anaweka huku anaongeza masikio bande kuna ngai frère ndugu yangu no africain tuki mke wa Afrika nywele paka huku ça c'est l'artificiel ça ibine nibia kuongeza bile et vous allez constater que même dans les messages na utaona kwamba tamu ujumbe quelqu'un commence mtu akaanza trop spirituel wa kiroho sana mais si seulement elle devient star ana kujuikana kwa batu bote. Elle change déjà la manière. Anabadilisha na hali. De chanter, ya kuimba. Même de porter les habits. Ata ya kuvala mavazi. Et de parler. Na ya kusema. Dieu. Mungu. Ne bénira pas ça. Asta bariki ile. Je vais attendre un amen. Peno sikia mina. C'est fort mais c'est la vérité. Ni nguvu lakini ni kweli. Nous perdons beaucoup de frères. Tunapotesha banduku ba mingi. C'est cher. Na badada. À cause de succès. Juu ya kavumu. Frère. Nduku. Le succès vient avec beaucoup de choses. Kavumu inakuja na bitu mingi. Quand Dieu te lève. Wakati Mungu anakunyanyua. Si tu ne fais pas ta soeur. Kama ukebe ange. Le succès va t'amener à l'ordre. Kavumu itakupeleka mukiburi. Lazima mtapose mamina pale. Voilà. Mzuri. Tu peux te retrouver en kilote. Unapashwa jikuta mukiloti. Or le frère dit mais ça ne porte pas les kilote. Hapo banduku ya ujumbe bavalake kiloti. Ah, iko sala nini frère? Oh, itafanya niko napita tu mpepo. Ah, iko sala eloko. Itafanya kitu. Un frère porteur de kilote c'est un féminin. Ndu kula na vala kilote ni mwanaume kwa sababu mwanamke na mwanaume kwa sababu mwanamke astabata ona Mungu. Je vais attendre un amen là. Pendo sikia amina. Alors ici comme Barcelone, il y a les fans de Barcelone. Kwa chupafu wa Barça na ba Real hapa. Ils sont ici les fans de Messi. Kwa chupafu wa Messi et les fans de Ronaldo. Ya Cristiano pia. Vous êtes ici. Muko hapa. Et vous dites, et quoi ça la nini frère? Na nasema itafanya nini nduku? À la maison de frère Branham. Kwa nyumba ndugu Branham. Il y avait le terrain. Kulikuwaka tele. Quelle maison? Nyumba kani. Jeffersonville ou bien quelle maison? Ya Jeffersonville wala ya wapi? Quelle maison ou la ou bien au Branham tabernacle ou bien à la passerelle de Branham, il y avait
un terrain de football. Unionesha nyumba kani ya Branham kule kwenye kuvoka kiwanja kabumbu. Unaona au yaona au kufika. Tu ne même pas arrivé. Tu n'es même pas arrivé là-bas. Na au yasoma yao. Et même lire tu l'as même pas encore lire. Branham dit. Branham anasema. Mutoto yangu. Mon enfant. Akatoka kunyumba. S'il sort de la maison. Akaenda kuangalia match. Pas regarder le match. Je vais le buter dehors. Je vais le tamfukuza. Mais ici. Lakini hapa. Ngo ni mama anataka hivi. Utasema mimi na kuona. Soki lokola nao prêcher leo. Hivi nonobiri leo. Ke bale match ezali. Kuko match leo. Iko manda ero. Itaanza isa. Afrengi na banatoroka kapale. Ya certain frère qui quitte l'église. Ande déjà kupata fasi kusine. Pour avoir une place de choix au ciné. Yuko alipa franga juu angalie match. Il paye l'argent pour regarder le match. Iko parier. Il parie même. Iko aleta téléphone. Il donne même son téléphone. Frère, tel a ka gagné téléphone. Nous voulons attaquer tout ticket. Rétrograde. Pungukiwa kwa imani. C'est toi-même qui as le blocage de ta vie. Wewe peke ndio kishina kifunga maisha yako. Ndoki alokaka yote. Hakuna mulozi ya kulokaka. Wewe peke ndio mulozi ya maisha yako. Le message a besoin de te bénir. Jumbe napenda kubariki. Le message a besoin de te lever. Jumbe napenda kunyanyua. Enlève la mondanité de ta maison. Toshe dunia mu maisha yako. Pute tout cela dehors. Weka bila vyote nje. Lave tes cerveaux. Washa kichwa chako. Remplace cette idée avec la parole. Badilisha le mawazo na neno. Jesus Christ trouve place dans ton cœur. Yesu Kristo apate fasi mu moyo wako. Prospérer. Na utastai. Je vais t'adresser la main. Benos qui amina. Et vous êtes là. Na mwe muko apa. Les joueurs de winner. Mwe bacheza winner. Et les joueurs de Paris de foot. Paris foot. Les frères du message. Banduku ya ujumbe. Marche avec beaucoup de papiers de Paris foot. Utana mufuku wesha kuvimba, isha nikuyala mapapier ya kuparia ma Paris foot na ma winner. Na kutika timu kuna kulia mundele. Nitaacha paka pale mimi nitamkula mzungu. Wewe utamkula mundele lugo na poto haya wapolia eh. Wewe ule mzungu anatoka tu Bulaya akiafai mchezo yake juu. Soko ni mbongo ya winner. Kama unakula makuta winner. Loba mundele aibi batu mwako na Kinshasa. Nikusema mzungu aliba batu mwako Kinshasa. Ndio apeshwa mbongo wangu. Njoo anakiwa kupatia juu akokote bengine. Mekeo iba mundele boys. Muibie tu hivi bongo. Wewe unalia kina Kinshasa. Wewe nilikula Kinshasa. Mundele aibi mtu mwako na Lubumbashi. Mzungu aliba mtu mwako Lubumbashi njoo anakupatia wewe. Mundele yako yao atepo iba. Mzungu hawezi kuya hapa juu muibilie umuibie. Uzo kota na masumu ya pamba. Ni Zambia bulo uko nafanya. Bwaka mapapie wana. Ile mapepa uitupe tu. Ukobenga ngo message eteme message ngo. Utaita na ujumbe yote njoo. Zamba kupamba lote na mapapie. Mungu aza kubariki na ile mapapie ya Paris. Uzoe na usambu maboko pamba. Unakamu kanisa. Mena Paris foot uzoe kene kufuta posa. Lakini wewe unaenda kulipa Paris foot juu utike. Sawa si sele message eh? Ile nao ni ujumbe. Sele septième show. Ni muri ya saba ile unafanya pale. Ne copiez pas le monde. Amen. Usiige dunia, amina. Nazo kabame ne kiti. Sikia, maamine na shuka. Ne copiez pas le monde. Amen. Usiige dunia, sema amina. Dieu. Mungu. Nous a mis à part. Alituweka pembeni. Nous sommes un peuple mis à part. Tuko taifa inaweka pembeni. Pour le service. Dieu a kazi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tu m'entends pas, sema amina. Ne prenez pas le modèle à la télévision ni... Ni au téléphone. Musi bebe mufano mu television wala musimu. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Et leur ambition. Sasa kifukuzio kiabo. C'est de s'habiller. Ni kuvala. Et d'agir de la même manière. Kutenda munamuna ile moya moya. Il semble que. Inaonekana sa. La limite de l'ambition américaine. Kipimo ya mania ki Amerika. C'est d'avoir un nouveau travail. Ni kukuwa na kazi mupya. Ou avoir une augmentation de salaire. Wala bakongezeko makuta ya mushara. Et avoir une télévision. Na kukuwa na television. Ou une voiture, c'est tout. Wala gari mjo mwisho. Ça, c'est l'ambition américaine. Njo nia ya ki d'ailleurs, c'est l'ambition pour tout le monde là-dessus. Na yo enyo ni nia juu ya dunia mzima. Quand il trouve la maison, wakati anapata nyumba, television, un bon travail, kazi nzuri, c'est fini pour lui. Njo mwisho juu ya une voiture. Wala gari. Mais Branham a dit ceci. Sasa Branham anasema hivi. Laissez-moi vous dire ceci. Acha nionyeshe hivi. Ces choses peuvent être très bien. Hii bitu binapashi kuwa mzuri. Mais je vous dis que lakini mimi nionyeshe kwamba ya dans la vie humaine, mu maisha ya watu huko, des ambitions plus élevé que ces choses-là. Mania kubwa kupita bile bitu. Je vais attendre un amen. Pendo sikia amina. Et les chrétiens na mukristo doivent s'affectionner parapasha kupenda aux ambitions plus élevées. Anapasha kupenda mania kubwa sana. Kipendi amena sana. Na pasha kusema amina.
pour nous l'ambition plus élevée, ni kubwa sana, c'est d'être d'abord en communion avec Dieu. Mbele mushiriki na Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si la télévision va venir après, kama television itakuja baadaye, hakuna mambo. L'ambition, lakini kifukuzio ni plus élevée pour moi, kubwa juu yangu, c'est d'être en communion kwa mushiriki avec mon Dieu na Mungu wangu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère, nduku, sœur, dada, si tu étais allé trop loin, kama ulienda mbali sana, tu as coupé la communion avec Dieu. Ulikata ushiriki na Mungu. Ce soir, mangaribi ya leo, Dieu, Mungu, a besoin, anahitajia, que tu reviens, urudie. Ma sœur, dada yangu, je crois, naamini ya kwamba, que Dieu t'a parlé, ya kwamba Mungu ananena na wewe, parce que tu es sa fille, kwani uko binti wake. Si je ne t'aime pas, kama singu kupenda, il ne doit pas te blâmer, ange kukemea. Il a besoin, anahitajia, que tu puisses revenir, urudie. Tu avais copié le monde, uliiga dunia. Frère, tu avais copié le monde. Ndugu liga dunia. Aujourd'hui, Léo, tu as besoin de toi. Mungu wako anahitaji yako. Que tu puisses revenir. Urudie. Il ne doit pas te jeter dehors. Asita kutupa inje. Il t'a parlé. Ananena na wewe. Comme un papa qui parle à son kama fils. Kama baba anasema na mtoto wake. Que tu reviennes. Jurudie. Il a besoin. Anahitaji que tu entres en communion avec lui. Na yeye. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tu peux passer mamina pale. Mettez-vous debout. Tusimame bwima. Mettez-vous debout. Tusimama bwima. Mets-toi devant ma soeur. Dada yangu simama bwima. Tu n'es pas créé au kuumbiwa pour manifester la vie mondaine. Tu as konesha maisha ya kidunia. Mais Dieu a besoin que tu manifestes la vie de la parole. Itaji ya Mungu onekanishe maisha ya neno. Il a besoin que tu sois un véritable panneau publicitaire. Anapenda ukwe bao ya tangazo. Tu sois une maison qui est bâtie sur la montagne. Ukwe nyumba inajengwa juu ya mlima. Que la Bible devienne chair. Na Biblia ifanye mwili mwako. Que la brochure puisse devenir chair à toi. Mikanda ya nabii ifanye maisha mwili yako. Le frère va chanter. Nduku ataimba. Nafuka mimi nikuruhusu na makolo ya kolo. À la croix au pied du maître. À la croix au pied du maître. À genoux, j'ai fait mon choix. Je crois. Comme ça, nous allons prier. Que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu puisse nous pardonner. Mungu atusame. Courba nos têtes. Tainamisha bichwa. À la cour à nos pieds du maître. À la roya. Je veux être tout.
kila mtu ataomba. Demande à Dieu pardon. Omba Mungu msama. Dit Seigneur pardonne-moi. Sema Bwana unisame. J'ai coupé la communion avec toi. Nilikata ushiriki na wewe. J'ai copié le monde. Niliiga dunia. La manière de monde. Na mune ba kidunia. La manière de danser. Na mune ba kucheza. La manière de vivre. Na mune ba kuishi. La manière de mettre les choses. Na mune ba kupenda bintu. J'ai attristé le Saint-Esprit de Dieu. Kasirikisha Roho Mtakatifu ya Mungu. Par ma vie sale. Kupitia maisha yangu ya buchafu. Pitié de moi, Seigneur. Nisikie huruma Bwana. Pardonne mes iniquités. Same maovu yangu. Pardonne mon erreur. Same kosa yangu. Je vais revenir. Napenda kurudia. Être encore en contact avec toi. Nikuwe tena mushiriki na weye. Être en communion avec toi. Nikuwe mushiriki na weye. Pour que je prospère. Junistai. Parle avec ton Dieu. Sema na Mungu wako. Demande Dieu pardon. Lomba Mungu msama. Dis Seigneur. Sema Bwana. Pardonne. Unisame. Na Mungu atakusamehe. Thank you.
C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour toi ce soir. Le Saint-Esprit n'a pas parlé ceci pour te tuer, mais c'est pour te ramener sur la bonne voie. Est-ce que tu as pris la décision de te séparer du monde aujourd'hui? Tu as pris la décision de ne plus copier le monde aujourd'hui. Tu as pris la décision de retourner sur la bonne voie et entrer en communion avec Dieu aujourd'hui pour que tu prospères. Entre en communion avec Dieu. Si tu laisses ton cœur ouvert, si ta repentance est sincère, le pardon est déjà devant la porte de ta maison. Le monde va passer. Les choses de ce monde vont passer. Soyons en communion avec Dieu. Car de l'autre côté, nous serons ensemble avec lui. Je vais prier pour toi, ma soeur, et pour toi, mon frère, que le Dieu miséricordieux va te pardonner et il va te donner la force de revenir et entrer en contact avec lui. Prions. Père Céleste, le Dieu qui est riche en beauté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de frère Branham, le Dieu de pasteur Rachete Omeonga, le Dieu de l'épouse parole au travers le monde entier. Ô Seigneur, nous venons auprès de toi, nous sommes coupables devant la parole, nous sommes coupables devant le message qui est prêché ce soir. Nous avons coupé la communion avec toi. Or, Branham dit, pour que nous puissions prospérer à tout égard, il faut que nos âmes soient en communion avec toi. Mais la mondanité nous a envahis. La mondanité nous a attirés. Nous avons aimé les choses du monde. Nous avons copié les habillements du monde. Nous avons copié les danses du monde. Nous avons copié les chansons du monde. Nous avons choisi les camarades du monde. Les amis du monde qui nous ont dit toujours en erreur, Père bien-aimé, nous avons attristé le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous sommes scellés jusqu'au jour de notre rédemption. Quand toi tu descends pour parler, Seigneur, c'est pour nous ramener comme tu avais descendu au jardin d'Éden chercher Ada, l'appeler Ada, où es-tu? Et la même voix est descendue ce soir pour nous appeler que nous puissions quitter le monde là où nous étions déjà. Nous avons déjà eu des habitudes du monde en nous. Or, nous ne sommes pas appelés pour vivre comme le monde, mais nous sommes appelés pour manifester la vie de la parole ici à Lubumbashi et partout dans le monde entier. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne mes frères. Pardonne mes frères. Pardonne-nous tes serviteurs, Seigneur. Couvre-nous par ton sang précieux. Car tu avais dit que quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Nous avons besoin de prospérer.
Nous avons besoin d'aller de l'avant, Père bien-aimé. Mais le monde nous a liés. À partir d'aujourd'hui, comme nous sommes reconnaissants de nos erreurs, nous sommes reconnaissants de nos fautes. Prends nos fautes, Père bien-aimé, et nos erreurs. Jette tout cela dans la mer de l'oubli au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, nous avons pris la décision d'abandonner le monde et tout ce qui se trouve dans le monde, Père bien-aimé, de couper communion avec les camarades qui nous induisent toujours en erreur et les amis qui nous montrent toujours dans la vie du péché. Et nous avons jugé bon aujourd'hui de revenir et d'entrer en communion avec toi, Père bien-aimé, pour que nous prospérons. Ô Seigneur, aide-nous. La décision de ma soeur, laisse que tu puisses l'appuyer. La décision de mon frère, laisse que tu puisses l'appuyer, Père bien-aimé. La décision de chaque serviteur de Dieu, appuie cela, Père bien-aimé. Nous avons besoin que tu sois ensemble avec nous pour la prospérité de nos vies. Merci pour la parole. Merci pour le message. Merci pour le pardon. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour, Père bien-aimé. Nous avons besoin d'être les panneaux publicitaires pour manifester la vie de Jésus-Christ sur la terre. Et nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, d'être, ô Père bien-aimé, les fils de Dieu manifestés. Et nous avons besoin d'être des lumières pour éclairer les ténèbres. Laisse que la vie du message domine nos vies. La vie du message domine nos esprits. La vie du message domine nos corps. La vie du message domine, Père bien-aimé, toute notre vie, Père bien-aimé. Parce que quand la parole de Dieu va nous dominer, Père bien-aimé, nous ferons toujours ce qui est ta volonté. Merci, Père, parce que tu nous as exaucés. Je crois que comme nous rentrons ici, Père bien-aimé, le diable n'est pas content de nous. Il peut nous piéger par les accidents, par les morts brusques, par des problèmes. Mais donne-nous la victoire sur la maladie, sur la mort brusque, sur les accidents, sur tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Donne-nous la victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous as pardonné. Je crois que nous sommes pardonnés, nous sommes graciés devant toi. Et notre décision que nous avons prise, Père bien-aimé, est acceptée. Et nous croyons que, Père bien-aimé, nous sommes encore revenus une fois en communion avec toi et nous prospérerons à tout égard. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Il ne faut pas oublier. Le dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons beaucoup prier. Nous allons réclamer nos droits conformément à la conduite de l'esprit. N'oublie pas les 5 dollars et les 1 dollar, pardon, comme le message nous dit. Que Dieu vous bénisse. Vous allez prier pour moi. Moi aussi, je prierai pour vous. Merci beaucoup. Accent. Seigneur vous bénisse. Alors que le panier est en train de passer, une fois arrivé à la fin, on va nous faire signe. Demain nous serons ici à 17h30 avec la prière 1 heure avec Jésus. Et après nous serons là le dimanche pour l'adoration. Une fois le panier arrivé à la fin, les honorables.